Bonjour à tous, me voilà. Enfin, me voilà, en quelques secondes, bien sûr. Midi, 14h, le déjeuner avec l'air. Allez, 10. Comptez avec moi sur IRC, dièse millième 2. 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. J'espère que vous allez tous bien. Midi 14h, le déjeuner avec l'âge. On commence cette journée sur MiMTV2. Bien, bien en forme. 6 novembre, messieurs, dames. C'est le reset de l'Elo. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire la première game de placement. Mais c'est pas grave. On fera quand même du League of Legends. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez été nombreux à regarder le Wake Up Velahan de 6h à 8h, le Morning LOL. Ça sera comme ça maintenant tous les jours de la MiMTV2. Donc si vous vous levez à 6h, eh bien pensez à notre cher ami Velahan qui fait sa petite matinale, quelques games de LOL, quelques sketchs humoristiques, enfin plein de choses, de la musique, etc. Il nous fait vraiment rêver, donc du coup, allez-y si vous levez à peu près vers ces eaux-là, hein, entre 6h et 8h. Un petit clic sur MiMTV2, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien, vous êtes nombreux ce soir, enfin ce soir comme toujours, hein, ce midi plutôt, sur IRC dièse millième 2, 160 personnes, venez vous connecter et discuter avec nous, avec moi, mon AKCM entre Crochet Studio pour vous connecter à ce chat. C'est très très simple. Juste à droite de la vidéo, vous avez un petit encart où vous pouvez rentrer votre pseudonyme. Votre pseudonyme peut être n'importe quoi. Nous acceptons tout, ou quasiment tout. Oui, oui les amis, vous pouvez très bien vous appeler HDR-CX970. Je m'en fiche, ou Patate Douce, ou alors League of Legends. C'est comme vous voulez les amis, donc venez avec nous sur IRC et venez un petit peu discuter, ça fera toujours plaisir. Je regarde un petit peu qui c'est qu'il y a d'ailleurs sur IRC. Aidenes, notre cher Aidenes qui est là, Sarka, Merki et Lyon toujours présent. Exi avec un Y d'ailleurs, c'est un petit peu spécial. Minrock, Shadow, Underscore, Extensive, Redhead, Dizord, Sylvain est là aussi, Gush, Mary, Duke, Underscore. Il y a HDR970 qui vient d'arriver d'ailleurs sur le chat. Kainato qui est là, Sakera, vous êtes tous chauds, vous êtes tous présents. Pou, pou, pou. J'espère que vous allez bien. Déjà quelques questions qui viennent d'arriver sur mon petit AK. Je vous rappelle, c'est M entre crochets studio, les amis. Donc si vous voulez venir discuter avec moi, me poser certaines questions, eh bien allez-y, il n'y a aucun problème. J'accepte tout le monde. Oui, moi je suis comme ça, vous pouvez me poser n'importe quelle question, j'essaierai d'y répondre. Un petit mot sur les réseaux sociaux, Facebook, LegLol, L-E-G-E-L-O-L. Et si vous voulez savoir la playlist du Groove Shark, c'est L-E-G-E-Leg, tout simplement. Vous recherchez dans Groove Shark et vous trouverez sur la playlist du Legendary 70 musiques, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça commence à vraiment, vraiment se développer cette playlist. Il y a vraiment beaucoup de genres musicaux différents, c'est très hétérogène, mais d'un côté aussi très homogène, hein. Effectivement, étant donné que j'ai des goûts très très sympathiques, comme vous le savez. Et donc, de toute façon, n'importe quelle musique vous plaira, les amis. Oui, oui, d'ailleurs, je sais que ça plaît à Kainato, à Sakia et Dennis, mes chers collègues de la Millennium TV. Alors, Lilo n'a pas été reset, go ranked. Ah ben, je sais bien, ça n'a pas été reset, j'ai été regardé tout à l'heure. Et effectivement, j'ai vu que c'était pas encore ça. Peut-être ce soir. D'ailleurs, on vous prévoit une toute petite nocturne. Allez, minuit, 2h, on sera un petit peu sur le client League of Legends avec Twix et on verra si ça sera reset. On pourrait faire aussi une soirée qui fait peur. Ce soir, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons un beau programme de Prime ce soir avec un Funcraft de 20h à 22h. Après de 22h à minuit, il y aura du Halo 4 avec Shazzy et Twix. Et de minuit à 2h, pourquoi pas la soirée qui fait peur avec un petit peu de SCP de Slenderman. Je pense que ça pourrait vous faire rire. Donc, gros programme ce soir en Prime sur la MiMTV2. Mais vous allez aussi avoir du gros programme juste après moi. Il y aura Twix pour du ladder pro cette fois-ci. Et nous aurons aussi Squeeze, si je ne me trompe pas, qui sera là de 16h à 18h. Alors, le Edge Coach by Twix, ça sera jeudi, les enfants. Et ça sera un Edge Coach by Twix basé, on va dire, sur comment sortir, comment bien débuter la saison 3. Avec, bien sûr, des héros, etc. Vous aurez des tips. Mais il y aura cet aspect de comment bien commencer cette saison 3, ne pas essayer de trop fail. Donc j'espère que je ne faillirai pas grâce au conseil de mon cher coach Twix. Voilà. Alors, non, pas de spoil, allô. Bah ouais, mais on jouera quand même. Ouais, voilà, tu feras comme on peut.
tout simplement. Alors, je suis rentré dans une gamme, les amis. Ah, belle coupe, hein. Belle cups aujourd'hui. Attendez, je vais faire encore mieux. Allez, une petite cup sympathique. Je viens de rentrer dans une game, donc ça va être bientôt le reset. Ça devrait être ce soir, ou alors peut-être dans l'après-midi, je ne sais pas. On va essayer de gagner quelques points, histoire d'être encore mieux classé pour cette prochaine saison. Je vous rappelle que d'après nos informations, donc par rapport aux informations de l'année dernière, si vous voulez savoir votre Elo pour la saison 3, il faut juste mettre plus 50 à votre Elo actuel. Donc si vous avez 1400, vous mettez 1450, le divisé par 2, donc ça fait 725, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, rajoutez 600, ce qui fait 1325. Donc votre Elo, si vous avez 1400, sera de 1325 à la saison 3. Voilà, avec 0 victoire, 0 défaite, et vous commencerez à ce stade-là. Si vous avez 2002 Elo, 2050, on divise par 2, ça fait 1025, plus 600, ça fait 1625. Voilà. Très très simple, c'est comme ça qu'ils avaient effectué, je crois, l'année dernière. On verra s'ils font la même chose pour cette fin de saison. Voilà. Allez, quelques questions qui viennent de Pop, les amis. Combien êtes-vous sur ERC? Je vois que beaucoup de monde viennent d'arriver. 226 personnes. Merci à tous. Vous êtes bien gentils d'avoir été aussi nombreux. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Midi 14h. Vous ne travaillez pas, donc vous êtes chez vous, tout simplement, en train de slacker agréablement, en train de toucher votre chômage sans se soucier des problèmes des autres personnes, sans se soucier de la crise économique qui nous traverse tous et toutes. Êtes-vous étudiant et donc vous slaquez d'un côté, étant donné que vous êtes étudiant et que donc c'est des personnes comme moi qui payons vos études, ou alors êtes-vous tout simplement en train de faire une petite pause déjeuner? Vous travaillez, petite pause de midi à midi 30, vous avez une demi-heure pour manger étant donné que votre patron vous esclavagie. Oui, vous esclavagie, les amis, nouveau mot sur ces millions TV2. Vous met au travail forcé tous les jours et donc du coup, vous n'avez qu'une demi-heure et vous êtes justement là avec nous sur le 10 millions 2 pour être sympathique. Attendez, il y a des gens qui sont en train de me dire des méchancetés. Ne, c'est les vacances. Ah, c'est les... Ah ouais, d'accord. Ah oui, effectivement, c'est les vacances. Bon, ok, très bien. Flemme d'aller à la fac, on me dit NRZ, c'est de ta faute, Lège. Ah bah, bien sûr, on remet la faute sur les streamers. Évidemment, on la connaît tous, celle-là. Tolo qui nous dit qu'il est au chômage et qu'il aime ça. Lolilol, étudiant, mais ras-le-bol. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'en avais un petit peu ras-le-bol, je suis bien d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les pics? Nous avons une Katarina, nous avons une Soraka, un Ezreal. Donc, il y aura une Soraka Ezreal en bot lane. Je vais aller donc jungle, les amis. Katarina et Otomid, Irelia au top. En face, nous avons une Leona MF en bot lane, un Gangplank qui devrait se retrouver en jungle, Singe devrait aller au top et Shogat devrait aller au mid. On va essayer de prendre quelque chose d'assez intéressant donc en jungle pour essayer d'aller gank un petit peu tout ça. Alors attention les amis, Singe, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant pour contrer Singe au top ou Shogat au mid? Alors Singe, ça va vite à partir du level 6, nous sommes d'accord. Shogat, ça n'a pas trop d'escape, mais bon, c'est la mid lane. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, ça va mettre du stun, ça va mettre des gros dégâts. Un petit Maokai, un Lee Sin. Vous voulez vraiment que je joue... Allez. Non, mais parce que voilà, ça fait longtemps et tout. On est parti pour Lee Sin. Il n'y aura pas de tourmoi. Non, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura aucun souci. 0,21,9 la forêt. Je ne sais pas si c'est ça que je vais prendre. Hein. Je doute un petit peu d'aller dans les 21 points défensifs avec Lee Sin. Peut-être un 21,9,0. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu comment ça se passait. Ouais, un petit Lee Sin, ça peut être sympathique. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce héros en plus. 9,21,0. Ah non, et il me faut quand même l'affinité runique là. Arrêtez de déconner. 21,9,0. 21-9-0. Est-ce que j'ai ça, 21-9-0? Jungle offensif. Ouais, peut-être que je l'avais. Ah, mais c'est de la puissance là que j'ai. Ah, mais merde. Oh là, le bordel. Ok, donc on prend ça. On va prendre ça parce que j'ai pas le temps. Hop. Voilà. Pou. Voilà, là on est d'accord. Qui c'est qui a pas eu le temps? C'est vous ou c'est pas moi? C'est vous ou c'est pas moi? Ah, je sais pas.
Allez, je vais aller lire mon Becherel et puis je reviens dans quelques secondes, les amis, pour la première game de ce déjeuner avec Lège. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Lee Sin en jungle contre un Gangplank. Je vais le défoncer. Allez, à tout de suite. Dérange-toi, c'est ta soirée ou c'est pas ta soirée? Si, c'est ta soirée. Et d'ailleurs, on va se le remettre, le petit gnome. Ouais. Bah oui, il y a une soirée qu'à 40%. Je crois bien que j'ai fait une bêtise, ouais. Ouais, j'ai pris l'exhaust amélioré, c'est ça? Très bien, bah ça c'est pas mal ça. Hein, c'est des choses plutôt sympathiques, hein, on va dire. Voilà. Non mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche un petit peu, on va les défoncer quand même. Voilà, c'est tout, les amis. On va peut-être commencer au bleu. Alors, attendez, on va faire ça. Et puis on va leur dire d'aller go dans la jungle. Je pense que ça va être une bonne idée. Ça va être bien, ça va être marrant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi. Oui. Alors attendez. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Parce que... Qu'est-ce que j'ai fait de mal à propos de mes maîtrises? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à propos de mes maîtrises? Dites-moi. Alors je leur pigne un petit peu là où je suis, hein, évidemment, parce qu'ils sont un petit peu en mode tarde. Ah, je mets quand même quelques dégâts. Là, j'ai pris des bonnes pages de runes. C'est plutôt pas mal. Fallait faire du 30-0-0-0. Ah, ok. Oh oui, regardez ça. Oh oui. Et on va... What? Ah, je pensais que j'allais défoncer. Oh putain. Bon. Oh là 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 là. Oh là là, je suis déçu. Je suis déçu à propos de mon A. Eh merde. J'ai en up le point pour Embrase et pour Exhaust. Très bien. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est pas un souci. Alors, je leur demande le hard pull. Oh la vache. Vache. Fallait prendre ton E, New. Mais trop pas. Fallait que je prenne le A, que je le mette. Puis après, quand elle flash, que je réactive mon A. Mais j'ai fait de la merde. Je pensais qu'on allait réussir à la tuer, en fait, en faisant ce que j'ai fait. Mais en fait, pas du tout. Voilà. Faut pousser le flash avant de A, encore une fois. Eh ouais, je suis d'accord. Ah, c'était un petit peu dommage. Bon, allez, on est parti. Lee Sin dans la jungle, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué ce héros, les amis. En tout cas, dans la jungle. Enfin, en tout cas, non, ça fait très longtemps que j'ai pas joué ce... Ah bah alors, bah non, mais bien sûr, quoi. Ah, mais merci, quoi. Merci. Ça, c'est sympathique. Allez. On va faire le bleu effet, donc ça c'est bon. Et on va go sur le rouge après directement, les amis. Oui, dit direct. On s'en fout, on est des chauds. Alors, boum, ça c'est fait. Je prends mon E maintenant. J'espère que je vais avoir assez de HP quand même pour pouvoir gank le top level 3. J'espère que Gangplank n'est pas venu aussi pour style mon rouge. Ce serait un petit peu dérangeant. Oh, si, il est en train de le faire, le salaud. Ah ah ah. Ah ah ah. Alors attention. Ah oui les amis, oh le flash qui est manqué. Le flash qui est manqué, on va lui laisser le bleu à l'arrière, Irelia. Ah merde, ça c'était pas très bien joué. Allez, on continue. Oh là là, non c'est pas possible. Oh, il m'a mis tellement de dégâts, je pensais pas quoi.
Ah, je suis vraiment la merde, quoi. Non, c'est con, j'étais trop chaud, quoi. J'étais trop chaud. Flash pour un mort, bah ouais, j'ai fait de la merde. Ah, je sais pas, mais ouais, non, mais j'ai pas bien vu qu'il avait mis son poison et tout. Ah, je pensais qu'on allait pouvoir remettre un A, lui remettre un petit coup dans les dents, mais en fait, pas du tout. Donc, du coup, Irelia et Singe avec le bleu, oh oui, allez, ça c'est fait. Irelia qui prend 2 kills, la game est gagnée. La game est finie, les amis, je vous le dis, je vous le répète, c'est bon, nous avons gagné cette partie. Allez, boum, reviens là. Voilà. Ouh là là, le FPS est un petit peu bon, ça devrait plutôt se passer tout de même. Allez, on va enlever ça. Oh merde, ah ouais, j'avais oublié de mettre mon smite. Ouais, du coup, ça s'est pas superment bien passé. Alors, on va peut-être aller du côté du Shogat. On peut peut-être lui mettre un petit truc à ce Shogat. Je vais voir comment ça va se passer. 4 minutes de jeu. Nous avons donc un gangplank qui devrait être actuellement bah, au mid, voilà. Allez, allez. Allez, ici. Ici, c'est pas trop mal. Oh là là, allez, le flash qui a été activé. C'est déjà ça. Ça aurait pu faire pire. Là. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Shogat était chaud comme la braise. Allez, boum. Qu'est-ce qui se passe un petit peu partout? La MF là, ça se fight un petit peu en bot lane. On va re retourner au top. On va retourner au top. J'ai pas l'impression qu'il y avait de ward. Oh là 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 là. Allez, go 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 go. Allez, je suis là, Soon. Je suis là, Soon, je te dis. Oh là là, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Singed qui est vraiment, vraiment. Qui est impossible à tuer en fait, Singed. Voilà. C'est tout simplement ça. Hein. C'est pas possible. Même il est level 4 le merdier. Et je n'y arrive pas. Ouh là là. Ouh là là. C'était chaud ça un peu, hein? Hein? On est d'accord? Ouais, c'était tordu, hein? Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Putain, la Irelia qui a 2 kills. Elle a quoi? Elle a pris une cape de résistance magique. Je comprends pas tout, mais bon, on va dire que ok. Hop. Allez, on prend la petite popo. On prend 2 petites wards. On reprend une petite popo. J'aurais bien voulu avoir un petit anneau de. Un petit épée de Doran, mais c'est pas possible. Alors, combien de elo? Oui, c'est une classe C. Oui, les amis, combien de elo? 1420, un truc comme ça, quelque chose comme ça. 4 popos. Ouais, j'ai déconné sur les popos. Ouais, je sais pas. J'ai un petit peu abusé, je suis d'accord. Hop, allez, ça c'est fait. Alors, on me ping en haut. Vas-y. Mais ça c'est bon, hein, pas de souci. On va essayer d'y aller assez rapidement en haut. Allez, vas-y, je te défonce, moi. Ah, j'ai plus le buff rouge, donc ça c'est un petit peu dérangeant quand même. Je dois vous avouer. Putain, j'utilise pas mes sorts quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Singe. Voilà, Singe, Lee Sin. C'est pas tout à fait le même héros, on est d'accord. Allez, un dernier gank en top lane et puis après, on va go en bot pour aller faire le bleu. Alors, on va donner à qui le bleu? On va le donner à Ezreal. Ouais, on va le donner à Ezreal, ça sera le meilleur des choix possibles. Allez, on va se mettre dans le bush. Personne nous a vu. Et voilà les amis, qui c'est qui envoie le pâté? Eh oui! C'était ça qu'il fallait faire, c'était exactement ça qu'il fallait faire et je l'ai fait. Et ça c'est cool. Pour une fois. Ah merde, en botlane ça pue du cul. Ah merde, j'ai oublié encore une fois. J'ai oublié d'activer mon Z. Ah là là! Allez vas-y. Alors j'ai mis 2 points dans le A, 2 points dans le E, 1 point dans le Z. Oui voilà, je suis un petit peu en mode funky fun. Alors je lui ping notre ami bleu. Allez. Ah bah attention parce que moi je vais le prendre. Moi je vais le prendre hein, les amis. Ah, ils le savent pas encore mais moi je suis au courant.
Bon voilà, c'est, il est pris. Et voilà, il est pris, tout simplement. Allez, je vais être bientôt level 6. Les wolves. Après, ça devrait bien se passer. On va retourner en top lane encore une fois. Après le petit bac, hein, bien sûr, nécessaire. À la fontaine. Hop. Allez, vas-y, tue toi. C'est bon, on back. C'est naze de maxer le E. Faut maxer Q et Z en first. Non, faut max le A, faut max le Z. J'ai mis un petit point dans le E en plus pour pouvoir clean un peu plus rapidement ma jungle. Bon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi. Alors, attendez, dégâts. Et il est haut, le bordel. Voilà, c'est ça que je veux. On va racheter une petite épée de Doran. Là, je fais quand même pas mal de dégâts. Hein, 126. Le A qui commence à toucher un petit peu, hein, qui fait d'ailleurs 126. Ah, c'est marrant, ça. C'est plutôt pas mal. Shogat. Alors, on va regarder du côté des CS comment ça se passe. Alors, moi, je suis pas bien du côté des CS, même comparé à Gangplank. Je vais pas aller en botlane. Hein. Ils se sont mis dans la merde. Ils y restent. Par contre, moi, j'ai de l'Irelia. Parce que l'Irelia, ça snowball comme un bâtard. Voilà. Ça snowball comme des bâtards, l'Irelia, c'est tout. Alors, est-ce que ça peut placer une ward? Ah, bah non. Apparemment pas. Ah, bah go. Eh, bah go. Oh merde! Allez. Bon, et ben ça sera tout. On a pris le poison dans la gueule. On a pris vraiment la sauce. Oh, la vache, quoi. Oh, la vache. La vache, la vache, la vache. J'ai pas compris tout ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des trucs. Oh, Ezreal. Ah, Ezreal, dommage. Mais je pense pas que ça l'aurait tué. Flash devant lui, tu l'ultis vers ta tour, easy kill. J'ai voulu faire ça à un moment, mais je me suis dit... Je sais pas si ça allait marcher. Ah, tout simplement, hein, je vous le dis, je suis franc avec vous. Je suis aujourd'hui une personne assez franche. Et j'hésitais. J'hésitais tout simplement. Je me suis dit, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera pas bien. Je me suis dit, ça va peut-être pas le faire. Ah, je voulais faire ce que vous avez dit. Oui, mais bon, voilà. C'est un peu difficile, vous savez, quand on est un tarte comme moi... Bon, surtout avec Lee Sin. Avec Lee Sin, j'ai quand même des problèmes. C'est pas un héros que j'apprécie en jungle. Enfin, j'arrive pas forcément trop, en fait, à jouer avec lui. Du coup, c'est pas facile pour moi. Ouais, voilà, c'est... Allez, boum. Allez, voilà. On continue. Le A. On va mettre la petite ward. Voilà, c'est parfait. Et voilà, l'ulti qui a été claqué en même temps. Il a récupéré le rouge. C'est parfait, les amis. On n'a pas trop mal joué ce coup-là. Et puis le counter-gank qui était superbe. Hein. Bon, il n'était pas fait exprès, on est d'accord. Oui, certes. Mais il était très beau. Et donc, la partie se déroule bien. Oui, elle se déroule très bien. Hop, allez, on va voler les petits Bryce. On va peut-être même essayer d'aller faire un petit truc en bot lane. Une petite ward ici, je sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Alors, la MF. La MF, maintenant, ça va être un petit peu la target, j'ai l'impression. Ah, Gangplank. Vous avez vu Gangplank? Va falloir faire gaffe. Voilà, ça c'est fait. Ouh là là là, là il y en a qui arrive à tuer Ezreal. Allez, voilà, on te tue. Et maintenant la MF qui est assez low HP. Go 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 go. Ouh là 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 là, c'est chaud. L'ulti qui a été claqué de la part de la Soraka. Et c'est le doublé pour la Katarina. Pas mal. Pas mal du tout. Hop, 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 hop. Ah oui, c'était pas trop mal, ça. Oh, bah merde. Ah bah, ça a pas marché. Bon, bah, c'est pas tout à fait marché, ce que je voulais. Ouais, tant pis, peut-être que c'était pas si bien que ça, en fait. Bah, oui. Bah, on te push ta lane, hein. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Hop.
Oh là là, la soirée qui m'a heal vraiment à 0 HP. C'était un petit peu tendu quand même. Katarina qui a combien maintenant? C'est à 7-1-1 la 4. Elle se met plutôt douce. Allez, boum. Allez, on va prendre le bleu again. Alors, une petite trick hein, sur le Z de Lee Sin. Il faut claquer donc la deuxième activation du Z, donc celle qui vous permet de régène, si je ne me dis pas de bêtises. Il faut claquer le Smite en même temps parce que c'est un sort et donc ça vous régène plus de HP. Si vous ne jouez pas Lee Sin ou quoi, c'est un petit trick. Bon, si vous jouez, c'est la base, hein, j'imagine. Donc c'est bon, pas besoin de taunt ou de trucs comme ça. C'est juste, voilà, c'est pour les gens. C'est pour les gens qui ne savaient pas. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va attendre les sandales de Mercure. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Twix aujourd'hui. Bah non, il est en train de travailler, en train de faire d'autres choses. Vous êtes 274. Nice. Beaucoup de MP qui viennent d'arriver. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'y répondre juste après la game. Hein, ouais, tout simplement. Il est midi 31. Ouais, midi 31. Il y a 2-1-6 avec mon Lee Sin. Tout se passe correctement, les amis. Ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt content de ce petit choix que vous m'avez choisi. Et ça, c'est cool. Alors, attention. Irelia, elle est à 74-16. Singe à 70. Mais là, Irelia, normalement, est beaucoup, beaucoup mieux. Je l'ai vraiment... Oh la mince. Ça j'avais pas forcément prévu ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bon. Un petit hack est parti. Singe, alors comment ça se passe? Il est en train de overpush. Ouais, ça c'est fait. Allez, go, 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 go. Et il est en train de revenir un petit peu sur la Irelia. Là, je lui dis d'y aller comme une tarde. Oh merde. Allez, vas-y. Allez, vas-y, continue encore une fois. Oh, je l'ai loupé. Ah, je l'ai loupé, tel un tarde. Je suis déçu de moi. Allez, boum. Oh là là, j'ai fait de la merde, j'ai posé une ward, je voulais me TP sur un ward, j'ai vu que j'avais plus le Z, j'ai tout claqué, j'ai claqué le flash, j'ai claqué l'ulti et tout. Pff, n'importe quoi. Bon, on l'a tué, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû me faire défoncer, mais c'est bon, c'est passé, pas de soucis. Oh la vache, la chatte quoi. On va reprendre une toute petite, allez, deux petites wards. Oh, il est triplé pour la MF. Pour la Katarina, excusez-moi. Et quadruplé pour la Katarina. Qui a 11-1-1 actuellement. Elle est donc pas mal loin. Alors, si tu fais deux Doran, tu fais pas la Brigueule, c'est l'un ou l'autre. D'accord. Ok, désolé. Ouais, ouais, la Fail War que je viens d'utiliser mon shield. Bah oui, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Ah, je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Allez, boum. Voilà, ça c'est fait. Oh, la Irelia qui est encore dans un sale drap. On va rego. Oh, le petit stun. Est-ce que je vais réussir à aller vers elle assez rapidement? Allez, vas-y, on va le défoncer. Et voilà, qui c'est qui fait le carnage? Eh ben, c'est Bibi. Ah, Gangplank pas très utile en jungle, hein, comme vous le voyez. Un héros moyen. Allez, boum. On régène un petit peu. Et on est parti après sur les Vrace. Une petite popo, pourquoi pas. Ah non, laisse-moi me Vrace. Ah bah non, ça c'est bâtard, ça. Bon, attention, le mid, il y a du people. On va go. Oh là là, ils sont comme des tardes là. Là, ils sont comme des tardes. Oh merde. Allez, vas-y, touche. Voilà, c'est touché. Il y a le petit slow. Et c'est le Ezreal qui arrive à prendre le kill. Pas de problème. Alors, j'ai complètement fail hein, moi, à un moment. Bon. Vous ne m'en fiez. Pas de problème. Shogat défonce tout au mid. Shogat est pas mal au mid, mais là, apparemment, contre la 4, il a un peu de mal.
Boum. Ça c'est fait. Ah oh, merde, j'ai utilisé mon smite. Oh quel con. Allez, vas-y. Oui. Ça c'est fait. Deux tardes avec la Lee Sin et Katarina qui jump sur Asuraka. C'est pas forcément trop pourquoi, mais. Ah, oh, mais merde, je pensais que j'allais l'avoir celui-là. Vous avez vu, je suis nul hein. Là, sur ces coups-là, je suis assez nul. Alors, tu E, mais tu le re-spas. Pourquoi hier il n'y a pas eu de Ledge Coach by Twix? C'est bien parce que nous avons fait des choses hier. Oui, restructuration un petit peu de la télé, les amis. Donc, du coup, on ne pouvait pas faire ça. On était en genre de réunion hier soir. Par contre, les coach back to, ça sera jeudi. Avec comment sortir un petit peu de ce Hello Hell et comment bien commencer cette saison 3 surtout. Voilà, ça va être ça un petit peu le thème. C'est pas mal ça comme thème. Je pense que vous aimez bien. Allez, on est reparti sur les golems. Ouais, le petit smite qui a été mis. Je remets mon Z. Alors, je suis combien là? 5 dans le A, 3 dans le Z et 2 dans le E. Voilà, j'ai pas up depuis le level 4, comme vous voyez. Pourquoi pas, hein? Voilà, on va rien dire. Je fais ce que je veux, de toute façon. Donc, voilà. En plus, je suis à 5, 1, 7. Donc, oui, je fais ce que je veux. Je suis sur 13 kills quand même des 21 de l'équipe. A Katarina est sur 15 des 21 kills. On est plutôt actif, hein. Asuraka 0-2-3 c'est pas top, 2-1-4 pour Irelia alors que putain j'ai campé le top quand même. Après ça bah pas grand chose à dire. Un petit ward ici, j'avais un petit peu la frousse. Ah y'a personne ici, pas les golems, ça a dû être fait il y a quelques instants. Je ne comprends pas, nous dit bah, il y a une restructuration de la fusion entre la TV2 et la TV3, j'ai du mal à suivre. Eh bien, plus d'informations soon. Voilà, comme ça sera plus simple pour moi. Et je me mettrai pas en porte-à-faux. Porte-manteau, en porte-manteau, je me mettrai pas en porte-manteau. Allez, la Katarina qui est en train de carry cette game aussi, là, 12-1-4 maintenant. Le Sin, je qui est tout seul au top. Qu'est-ce qu'il a comme item? Il est parti sur un bâton Sekoula. Et le Sin, là, est vraiment en train d'overextend. Alors, comment ça va se passer? Je ne sais pas exactement. Ezreal est parti un petit peu en mode si back comme ça, je vais l'avoir. Oh merde, j'ai fait de la merde là. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. J'aurais dû d'abord jump sur notre ami Katarina. Allez, vas-y, mais arrête ça, tu sais. Ouais, boum! C'est Ezreal qui fait le kill. Report GP AFK, I love Shogate Silence. Ah, mais oui, mais c'est bientôt la saison 3. C'est bon, c'est pas grave si vous perdez de l'élo. De toute façon, demain, ça sera reset. Donc bon, hein. Aux F d'un côté. Je pense que tout le monde est d'accord. Allez, je vais refaire mon rouge. Ça pourrait être sympathique. Ledge qui se fait carré, pas tellement, hein. Oh. Ça devait être le 6, c'est pas demain. Ah non, c'est pas demain, ça va être aujourd'hui, les amis. Ah ouais, vous allez voir. Ça va être aujourd'hui. Ou alors s'il y a une annonce ou quoi. Encore une fois en retard. Ah bon? Bah ils ont pas dit à quelle heure de la journée. Moi je pense que ça va être ce soir. On va voir, tout simplement. Ce soir ça va faire boum boum. Et on va être comme des oufs sur le ladder. Alors j'ai 2K thunes, 2K6, je pense que c'est le moment pour acheter un bon item. 2K6, dernier souffle, je pense que tout le monde est d'accord. J'étais parti sur un Aegis, mais là j'ai plus envie de le faire. Je pense que vous pouvez me comprendre. Ouais, Katarina légendaire maintenant. Ouais, ça fait croquer par Shogat, l'ulti de Leona qui est pas mal placé, le E de Shogat, le I, l'ulti de Soraka. Oh là là, le flash in à part de Leona et le shampoo pour Katarina pour réussir à s'enfuir. Et moi, je suis en train d'arriver sur Leona, sur Asuraka. Est-ce que je vais pouvoir l'aider? Oui. Oui, les amis, je vais pouvoir l'aider. Oh, je vais même faire mieux que ça. Je vais tuer les gens, tout simplement.
Voilà, donc ça s'est fait, ça m'a saoulé. Et je fais un petit doublé, histoire de mettre plutôt doux. Voilà. Ah non, mais c'est pas mal ça. Alors, le singe qui est toujours là. Ah, vas-y, viens mon cochon. Oh, et c'est le surrender. 4 votes pour, 1 vote contre, les amis. Haha, good job! Lee Sin, première game. Eh bien, ça a envoyé du très très lourd. Oui, 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 pour une fois que ça envoie du lourd. Alors, mes pages de maîtrise, ouais, ouais, ça, on va dire. Voilà, c'était 7 pages de maîtrise. Alors, on a aimé tout le monde. On a aimé tout le monde étant donné que c'est la fin de la saison. Tout le monde a été amical dans la partie. Il n'y a aucun souci. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est comme ça que ça se passe. 7, 1, 8, 15 des 26 kills de l'équipe. Ça s'est bien passé. On va en faire une dans très très peu de temps, les amis. On se retrouve dans 45 secondes. A tout de suite. Je sais, vous avez tous été très nombreux à me supporter et même à kiffer cette partie. Ça ne fait aucun doute, j'en suis sûr et certain. On va aller du côté de IRC. Vous êtes quasiment 300, les amis. Et on me dit certaines choses assez intéressantes, comme quoi c'est le patch qui est en retard et ils sortiront le patch en même temps que le reset de Halo. Voilà, Machi. Machi qui dit un petit peu des choses en caps lock, là que c'est pas trop lisible. Il y a une news sur Millet, Lège, le patch est reporté. Très bien, ok. Ah bah ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Ah merde. Alors du coup c'est pour quand le reset? C'est pas pour ce soir? Parce que moi je suis chaud, les amis. Moi je suis chaud pour Rogo là. Je suis chaud pour passer 2002 Hello, 2400, 2500, comme vous voulez. Mais moi je suis chaud. Oui, vous entendez? J'espère que vous entendez bien. Alors, Elion qui me paye une image, donc je n'irai pas la voir. On est bien d'accord. Je vais aller du côté des questions, les amis. M entre crochets studio, si vous voulez m'en poser. Vous êtes 298 sur l'IRC, 10 millions de. Je vous remercie parce que vous êtes nombreux quand même. Je ne sais pas exactement combien vous êtes sur le stream actuellement. Vous êtes 1285. Eh bien, c'est parfait, 1285. Je suis en train de regarder de l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Très bien. Allez, donc nous sommes à quasiment 1300 à jouer à League of Legends avec moi. Oh yeah! Ça c'est nice. Je suis dans une game, vous l'avez vu sur mon écran. On va faire quelques questions. Alors, on est parti avec... est-ce que quelqu'un sait... Avec Exi qui me demande... Est-ce que quelqu'un sait quand la saison 3 va-t-elle up? Eh ben moi, je pensais que c'était aujourd'hui. Apparemment, non. Étant donné qu'il y a une news sur Millennium, allez la check. Je vais aller la check tout à l'heure en même temps que vous. Chuck Norris qui est en train de me parler. Et même question à propos de Lelo. Alors, on me demande si je peux jouer Kha'Zix top ou jungle. On ne le voit pas trop, ce champion. Qu'en penses-tu? C'est Selim qui me pose cette question. Eh bien, déjà, bonjour à toi, Selim. Déjà, première réponse, je n'ai pas Kha'Zix du tout, donc je ne pourrais pas le jouer. Et qu'est-ce que je pense de ce champion? Je pense que c'est un champion fort en top pour pouvoir mettre des gros dégâts en 1v1. Je pense que c'est un héros qui a de l'avenir dans League of Legends, surtout en solo queue. Un petit peu moins peut-être en ranked team ou quoi, mais je pense qu'il a vraiment sa place en fait dans le pool de choix de héros important. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était une petite question. On va essayer de prendre un héros sympathique. Give me Graves. Un truc sympa à jouer. Un truc où je fail. Un truc où je fail bien avec. Alors mince, alors le mid a été pris. Donc je voulais Ego, Sora, Kamid. Je sais pas quoi prendre moi. Je sais pas quoi prendre. Là je sais vraiment même plus du tout quoi prendre. Tout à votre service. Merde. Tout à votre Fiddlestick. Ouais, Fiddlestick jungle. Ça ira très bien. Voilà. On va repartir dans la jungle avec Fiddle.
ça peut être sympa. Oui, je pense que ça peut être bien. Puissance, pénétration magique, j'ai l'impression que je vais avoir besoin que de ça. Et la forêt, le 0,21,9 là par contre. Je le joue comme ça, il me faut un petit peu de résistance hein, quand même. Avec Fiddle, ça va être un petit peu chaud sinon. Alors, pas de CC pour le moment, pas de Karthus, c'est bon. Kha'Zix, ça irait. Ezreal aussi. Faudrait pas avoir un Taric. Enfin là, pour l'instant, s'il pique ses 3 héros, je suis plutôt bien avec mon Fiddle dans la jungle. On va voir comment ça va se passer. Vous êtes content de Fiddle Jungle? Oui, Fiddle Style. Darius, on me disait, ah bah du coup, je vais peut-être avoir le temps de faire un petit sondage. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être pas mal. Un petit sondage. Hop. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les sondages que j'ai. Alors, hop, ça c'est parti. Je le publie. Et vous allez avoir... une minute pour voter, donc ça va être juste en dessous du lecteur, même 50 secondes. Donc préparez-vous déjà, juste en dessous du lecteur, vous allez avoir beaucoup de choix de héros, les amis, et vous allez pouvoir voter pour ce que vous voulez, mais vous n'avez que 50 secondes et ça commence directement. Attention, voilà, c'est parti pour le sondage. Votez pour le champion que vous voulez me voir jouer. Malfitaris, Sora, Kha'Zix, Zilean, Fiddlestick, Dr. Mundo, Garen, Galio, Miss Fortune, Lee Sin, Shen, Cassiopeia, Lulu, Karma, Maître, Yanni, Vegarash, Nunu, Twisted Fate, Shock, Gaton, Counterpick, Darius, Maokai, Gragas, Victor, Blitzcrank en dessous de la vidéo sur minimum.org. Encore 34 secondes, votre vote va faire la différence. Je le sais, ça va être à 1 vote de différence. Donc allez-y directement, vous êtes 1350. Je veux avoir au moins 4000 votes, 4 millions de votes. Actuellement, il y en a 177 millions. Donc allez-y, continuez de voter. 20 secondes qu'il vous reste, les amis. On n'est pas au présidentiel, même si c'est demain le résultat pour les présidentielles aux États-Unis. Et ça va être vraiment très, très intéressant à regarder aussi, même si ça ne changera pas la face du monde. Attention, 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 314 votes de collecteur, 50 secondes. Je vous remercie tout le monde. Faut que j'arrête. Allez, j'insère les résultats dans un panneau. Et la première réponse pour Harry. 23 votes ont été collectés pour notre cher renard à 9 queues. 23 votes, 7,32% des gens. Et vous avez vu, un vote de différence avec Karma, top ou mid. Donc on a évité vraiment une catastrophe. Après, nous avions un Counterpick avec 18 votes, un Ziggs aussi avec 18 votes, Soraka mid top avec 17, Darius à 17 aussi, Blitzcrank avec 15, donc en supporting, Victor avec 14, Dr. Mundo avec 11, et nous avons toujours aussi nos Karyanés qui sont toujours à la ramasse avec Miss Fortune, 4 votes, H, 6 votes, et on a quand même la palme aujourd'hui avec Vegar. 0,64% des gens ont voulu me voir jouer Vegar. Deux personnes qui ont voté pour Vegar. Un héros que vous n'aimez pas forcément, j'ai l'impression, à Vegar. Alors que c'est pas parce qu'on n'a pas le genou qu'on n'a pas le droit d'essayer de tuer d'autres héros. Qu'on n'a pas le droit d'être dans l'arène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on n'a pas de genou. Allez, on dit au revoir à tout le monde, à cette petite personne sur RC. Pop, allez, tu dégages. On veut du Shogat, on veut de la Lulu, on veut du Shogat. Alors Shogat, je l'avais pas mis, qu'est-ce qui se passe? Shogat. Ah, 10 votes pour Shogat. Oh, c'était pas trop mal, mais pas terrible quand même. Allez, 320 personnes sur RC, vous ne faites que d'augmenter. C'est marrant ça quand même. Allez, une petite Harry, ça fait très longtemps que j'ai pas joué Harry. Ça va être assez difficile pour moi à mon avis, étant donné... Tiens, je suis en 21, j'ai oublié un point, très bien. Très bien, c'est pas de problème. Ça va être assez difficile pour moi parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un de mes héros où j'ai le plus de games, donc 35 à peu près avec Harry, et j'ai un ratio négatif. Voilà. Donc juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, un ratio négatif avec Harry, 40%, je crois. Hein, je crois que je suis à 13-18. Bon, voilà, c'est un petit peu la merde, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? On me link un petit peu quelques news. Ça pop au milieu de mon écran. Je vais aller regarder ça. Saison 2, fin repoussée. Riot déclare ne pas pouvoir déployer le patch de fin de saison 2 à l'heure actuelle. Par conséquent, la fin de la saison 1 est repoussée à une date ultérieure. Ceci étant dû à des problèmes majeurs qui n'ont toujours pas pu être corrigés. Très bien, c'est Riot Yeg qui nous dit ça. Et donc, pas de date en prévision. Ok, pas de problème. Moi, je suis un petit peu déçu quand même. Je suis un petit peu déçu parce que je l'attendais, cette fin de saison 2. Et ce début de saison 3, c'est justement pour pouvoir prouver au monde entier que je mérite un petit peu mon elo. Et pas que mon elo, pas que 1500. J'ai envie vraiment de up pour cette saison. Là, tout le monde repart à zéro ou presque. Bien sûr, il y a des attardés, il y a des gens plus intelligents que d'autres, ça, on est d'accord. Mais par contre, on repart à zéro au niveau de l'elo. Oui, les amis, je fais même des rimes sur Miam TV 2. C'est ça qui est assez joli.
Allez, on est parti dans la game. Harry au mid, Gangplank au top, Udyr dans la jungle, Graves, Leona en bot lane, Ezreal qui sera en bot lane en face, Lee Sin dans la jungle, Ryze au mid, Jax en top. Et on va se mettre un petit Ryze en face. Ah là 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 là. Ça c'est un peu dommage. Alors, ah oui, oh bah alors, Julian en coup là. Bon bah voilà, qui va prendre son petit kick. Bientôt en gold, me dit Smarting, mais je suis déjà en gold. J'ai dépassé les 1500 et puis après j'ai fait, c'est bon, la pression est relâchée. On n'a plus de soucis à se faire. Voilà, alors, on n'a plus de soucis à se faire et puis ça se passe bien, tout simplement. Alors, AP allumette ou on def le mid. Un petit peu de résistance magique, nous allons avoir un Lee Sin dans la jungle ou un Jax. Je pense qu'on va avoir un Lee Sin dans la jungle et un Jax au top, hein, ça m'a l'air plus logique. Et donc du coup, je vais avoir, je devrais prendre un petit peu d'armure, étant donné que nous avons un Lee Sin et donc il va me faire des dégâts physiques. Donc résistance magique, puissance, armure, pénétration magique. Vraiment la base, hein. On est d'accord en termes de carry AP. Vous avez les deux maîtrises de base, Opa, Gangnam classique, résistance magique, dégâts physiques et armure. Et là, c'est résistance magique, puissance, armure et pénétration magique. Voilà, soit pour AD ou AP. La vraie maîtrise, le milieu, Harry, deuxième game de ce déjeuner avec l'Ege. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite les amis. Le Jax n'a pas encore load la game. Ah voilà, il vient de se connecter à la partie. 8%. Bon, il y a aussi le Gangplank, hein, qui est à 50%. Il a beau avoir 32 ping, il a un PC en mousse. Parti, mais pas encore dans la game. Et oui, pas encore dans la game, on était toujours dans le loading. Un Jax en top lane, un Lee Sin en jungle, Ezreal, Janna en bot lane, Ryze au middle. Et nous, nous avons une team plutôt tanky tout de même, parce que Graves c'est un carry AD plutôt tanky, un Udyr dans le jungle, un Gangplank au top, une Leona. Va falloir que je fasse beaucoup de dégâts. Je vais devoir faire énormément de dégâts, peut-être un go Rabadon first. Vous voyez que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de dégâts dans cette équipe, hein, de dommages physiques ou magiques. Hein. De toute façon, nous avons un Gangplank, ça tient. À Pluton, on se donne des buffs, etc. Donc ça va être pas mal pour Graves. Le passif de Graves, bah, ça lui permet d'avoir vraiment de l'armure et résistance magique en plus, hein, plus il tape, etc. Donc du coup, plutôt intéressant pour les longs teamfights. On va voir Leona qui est vraiment pas mal aussi, même au niveau du tanky, au niveau du contrôle. Donc du coup, il va vraiment falloir que je fasse pas mal de dégâts. J'en suis quasiment sûr. Allez, j'ai la chef à tout le monde. Vous êtes 1600 à regarder cette partie. 1523 exactement. Harry, c'est parti. Harry, c'est parti. Sans skin, sans rien du tout. On s'en fiche, on va quand même défoncer les gens. Je sais pas si je vais prendre le bisou ou le A en premier. On va bien voir, ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe maintenant. Si la Leona arrive à grab, il y aura peut-être une petite, un petit stun de la part de Udyr. Et moi, le bisou, c'est sûr qu'on fera le kill, à mon avis. Alors, c'est pas sûr, mais je pense quand même. Alors, c'est bon, je me suis pas trompé en termes de ça, pas de souci. Lelo a toujours pas été reset. Non, il a pas été reset, Lelo. Si vous venez d'arriver ou quoi sur le stream, eh bien, sachez qu'il y a une news sur William.org qui vous dit que le patch met un peu plus de temps à se mettre en fait sur le client que prévu. Et donc du coup, ils ont reporté le patch et donc la fin de la saison 2 à une date ultérieure. On ne sait pas encore quand ça sera. Voilà, c'est un petit peu dommage. GP vient de Rocco. Eh oui, effectivement, GP vient de Rocco, mais c'est pas grave. Hein. Regardez, il est un peu en mode tard et tout. Il va partir sur sa top lane. Il a pris une petite popo de mana en plus. Ok.
Ok, on va rien lui dire. Lui dire qui est là. Il va faire les wolves. Il va faire les wolves. Je vais lui mettre un petit A. On a un petit peu tendu, mais ça va. Pas de soucis. Ah, il veut pas finir. Il veut pas finir les wolves. Bah, attendez. Je vais me mettre bien. Je vais me mettre plutôt bien. J'espère que ça va pas mal se passer. Voilà. Ils vont lui pull vraiment correctement, donc je mets pas de, j'utilise pas ma mana avec mon A pour essayer de faire des dégâts au buff bleu. Ils étaient plusieurs, hein. Puis il y aura sûrement un hard pull et puis peut-être même un smite. Donc du coup, je sais pas si c'était très intéressant. Du coup, Ryze revient puisqu'ils nous ont volé notre buff bleu. On a fait la même chose, donc du coup, c'est even comme on dit dans le jargon. Enfin, comme on dit non. Oh là là, je leur loupe ces deux CS, ça c'est la merde quand même. Ça, par contre, toi, tu voulais l'avoir. Et moi, je te dis non. Moi, je suis pas d'accord à propos de ça. En jungle adverse, nous avons qui? Nous avons un Lee Sin. Donc, faire attention, les amis. Faire toujours très attention à du Lee Sin sauvage. Ouais, ça peut être assez chaud. Et Gangplank qui arrive à faire le premier kill sur Jax. Et il n'est même pas très low HP. C'est plutôt bizarre, quand même, de la part du Jax. Il a pas très, très bien joué, j'ai l'impression. Mais bon, tant mieux pour nous. Allez, 1-0, Gangplank qui prend le premier kill. Plutôt intéressant tout ça. Un petit auto-attaque qui est parti là sur le Ryze. Oh là là, oh là là. J'aime pas trop là, ce qui se passe. Allez. Non. Ah là 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 là, ça n'a pas touché les amis. Je suis bien déçu. Allez, un petit tap peut-être pour finir le canon. Et ça ne touche même pas les amis. Je suis de plus en plus déçu de mes last hit. 10 last hit, 9 pour Ryze. C'est bien, mais pas top. Sauce algérienne s'il te plaît. Voilà. Merci à tous en tout cas d'être sur le stream actuellement. Vous êtes 1500, 1600 à peu près comme mon Elo, mais en plus, parce que je suis à 1420 actuellement. Vous êtes beaucoup sur IRC 330. Ça fait plaisir que je vois un petit peu que j'arrive à vous réunir, hein, sans vouloir faire le fier. Et quelque chose va arriver dans le studio très très incessamment sous peu. Oui, bonjour monsieur. Tu peux arrêter de streamer, on va faire un FIFA. Ah, d'accord. Donc, j'arrête de stream, on va faire un FIFA, c'est ouais. Ça d'accord. Est-ce que les gens vont être d'accord à propos de ça? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils préfèrent un FIFA avec Ogar que du LOL avec Lege? Peut-être, on peut leur demander. Alors, le bisou qui passe. Et voilà, et ça fait le kill. La petite popo qui est utilisée. J'ai loupé aucun truc. Et donc, c'est normal, les amis. Ouais. Oh, tu les as rendus mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de FIFA et tout. Ah, les mecs, ils sont chauds là, c'est ça? Ouais, ok. Bon, bah, pas de FIFA alors, tant pis pour vous. Oh la merde. Ah, je ne pensais pas qu'il allait se passer ça. Ah, je suis un petit peu déçu. Ouh, pou, pou, pou. J'arrive à m'en sortir. Un petit peu chaud tout de même. Ouais, là, c'est bon. Je vais pouvoir récolter tranquillement. À moins que. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. J'ai acheté mes deux Doran. Et ça va se mettre plutôt bien. Ouais. LOL. Avec Ogar, FIFA avec Lege. Ah ouais. Attendez. Gros niveau sur FIFA. Gros niveau. On voit plus Zig au fait des nouvelles. Alors, des nouvelles de Zig. Il est actuellement à la Gaming House. Il est actuellement à Gaming House et ça va être notre graphiste officiel. Et puis il va faire des streams, il va faire du civilisation avec moi. Ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, il est un petit peu derrière la télé. Il n'est plus dans la télé. Mais il est là, ne vous inquiétez pas. Pour qui je suis au foot? Eh bien, malheureusement, je vis à Marseille et je suis pour Paris Saint-Germain depuis un bon nombre d'années. Et je suis d'ailleurs un petit peu déçu de Qataris qui sont arrivés il y a moins de. Enfin voilà, ça me fait. C'est un petit peu bizarre. Je suis un petit peu déçu de tout ça. Toi, tu fais quoi? Oh, t'as failli le manger celui-là. Hein. On va faire un petit peu attention. Il a pas de Doran, mais c'est normal. C'est Ryze. Lui, il part sur des saphirs de cristaux, des trucs comme ça, trucs de tarbes. Saphirs de cristaux. Allez, level 6. S'il a envie, on peut go. Hein. Je pense que je pourrais faire quelque chose. Faudrait lui mettre un petit A d'abord avant de go. Ça pourrait être sympathique. On va voir quel last hit il veut faire. Voilà, il veut faire celui-là.
Voilà, là ça lui a bien mis la sauce et donc je vais pouvoir go juste après. Voilà, comme ça les amis. Voilà, comme ça c'est parfait. On fait un deuxième kill. Il y a 6-1 dans la partie. Gangplank à 3-1 en top. Pas mal. Eh, hey, good job ça. On est d'accord. On a sorti les balls. Là, c'était pas mal. Allez, on est parti. On est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaussure de sorcier. Je sais pas. Alors, on a puissant, j'avais dit. Allez, chaussure de sorcier. On va être reparti sur ça. Et pas de ward, pas de popo. Mais bon, j'ai des meilleurs bots. C'est ça. Est-ce que tu arrives à te balader dans Marseille avec ton maillot du PSG? J'ai pas de maillot du PSG. Et c'est pas pour ça que je suis pas supporter de Paris Saint-Germain. Enfin, je suis supporter maintenant. Vous savez, moi, par exemple, en Ligue des Champions, j'adore supporter les équipes françaises. Je suis un gros patriote. Ah ouais, ouais. Même si c'était Lens, même s'il y avait Lens en Ligue des Champions, je supporterais Lens en Ligue des Champions. Alors, j'ai rien sur Lens, hein, etc. Mais c'est vrai que bon, les personnes sont pas comme nous, quoi. Voilà, il y a certaines personnes, on peut se dire, bon, on voit qu'on n'a pas été élevé de la même façon. Ouais, on est d'accord. Alors, ça marche pour un petit peu tout le monde, hein. Ça marche pour les Corses, ça marche pour les Bretons, pour les Basques, pour les mecs du Nord, pour les Auvergnats, pour les Aveyronnais, pour les Alsaciens. Donc les bases que j'ai dit, oui, voilà, donc c'est à peu près tout. Ouais, pour les Parigots aussi, pour les Parigots. Donc il n'y a pas beaucoup de villes en fait où... salaud allez, le RC Lens. Ah, je préfère Valenciennes. Par contre, dans les Aigus du Nord, je préfère Valenciennes. Ouais. Dans le Sud, qu'est-ce que j'aime bien? Toulouse, mais bon, j'ai habité à Toulouse pendant 7 ans, donc... Enfin, j'aime bien, je m'en fiche un petit peu d'un côté. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Nous avons un Jax qui est dans les Vrace. Il part en top lane. Peut-être la bottom, là, ça pourrait être sympathique. Oui, la bottom, ça va être sympathique. À mon avis. Oulala. Ah, mais il y avait quelqu'un sur moi en fait. Oh merde, encore une fois. Bon, il va mourir. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un sur moi, je suis désolé. J'avais pas remarqué tout ça. Le bleu repop quand? Bah, il a repop là. Faudrait aller me le faire d'ailleurs. Ce serait sympathique, je pense. Auxerre vs Real de Madrid 2010-01, exactement. Et les Auxerrois avaient failli gagner. C'était un beau match de la part de Auxerre. Après, ils se sont un petit peu rétamés durant toute la saison. Ça avait été une très mauvaise saison pour Auxerre. Mais ils étaient en Ligue des Champions, les bâtards. Allez, go là, à lui dire là, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi un petit peu. Il était venu et tout. Faut go à un moment. Oh là là là. Ah bah go là. Et bah voilà. Et voilà. Allez, ça fait le quatrième kill. C'est parfait. C'était bien joué. Et je récupère le bleu. C'est parfait. On n'a même pas été faire le bleu. On récupère. C'est la base. Hop. Allez. Hop. Ah merde. Bon, alors qu'est-ce qu'on va aller faire? Lil Sin qui est dans la jungle. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien, les amis. Je faille pas mes games. Donc, du coup, vous pouvez, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est grandement sollicité. Allez, check le Facebook. Tout simplement. Vous pouvez aller sur le Facebook si vous n'avez pas encore ajouté Legdol, L-E-G-E-L-O-L. C'est Sissi, cousin. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est ça qu'on veut. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le mettre sur IRC, les amis. Boum. Vous avez aimé ce move? Eh bien, dites-le sur le Facebook. Ou sur le Twitter, c'est pareil. Je mets les mêmes infos sur Twitter et sur Facebook. C'est classe. C'est classe. Et Twitter, c'est LegLol aussi. Ouais, pareil. Et le YouTube, c'est LegLol aussi. Tu fais un DFG, je fais un Rabadon direct. Je fais un Rabadon ou peut-être un Abyssal. Mais je pense que je suis plus parti pour Rabadon. Parce qu'on avait dit au début qu'il fallait faire beaucoup de dégâts. Et là, on va faire beaucoup de dégâts. Faire le max de dégâts possible en peu de temps. Hop. Non, là, je pars pas DFG, ça pue la merde maintenant apparemment DFG. Donc je go pas sur cet item de la mort. Alors 11-2, est-ce que je vais réussir à avoir le Rabadon aussi? C'est aussi ça un petit peu la question que je me pose. Hein. Oh, ça a touché. Ah, ça a touché, ça lui a mis un petit peu... Ça lui a foulé côté les oreilles quoi. Oui, on l'a bien senti, tout le monde était là.
dans la maison. On sait que la personne vraiment avait la flégote quoi. Ah, tu plans le bisou, je me recule un peu et j'aurais pu go. J'aurais pu vraiment go là comme ça. Mais j'ai fait un petit peu mon eunuque. Oui. Mon eunuque. Allez, on va push. Boum, 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 boum. Oh, ça, j'arrive à faire les casters. C'est parfait. Allez, sans prendre peut-être un petit Taras encore. Oh ouais, non, mais là, t'es mort. Oh, ou alors, je suis mort. Ah non, non, c'est lui qui est mort, en fait. Bon, bah, ok. Moi, ça me va. Moi, deal. Pas de problème. si on fait ça, on le fait. Bah oui, le Rise est nul. C'est pas faux. C'est pas faux que le Rise est pas là, pas forcément très très fort. Bon, après, je l'ai pas dit en live parce que ça me fait du bien d'avoir 5-0 de temps en temps. Quoi. Mais c'est vrai qu'il est pas top. Le Rise est dégueulasse. Là, j'ai eu ton projet Football Manager. T'inquiète pas, il est dans des cartons, il va sortir soon. Enfin, il va sortir. Mais j'ai beaucoup de trucs à faire en ce moment. Donc il va sortir, ne vous inquiétez pas, on fait des choses plus importantes là. Mais le Football Manager c'est en prévision, j'ai pas encore le jeu de toute façon, donc je peux pas y jouer. Donc je peux pas le faire, vous voyez ce que je veux dire. Il y a le projet RTS, le projet des anciens jeux que je fais actuellement aussi. Ne vous inquiétez pas, tout se met en place tranquillement et ça va se passer. Ah, c'est bon, je pensais que j'allais louper celui-là. Ça m'aurait fait un peu chier. Oh, et là, ça touche pas. C'est pas grave. Allez, level 8 contre level 11. Est-ce que je peux décale? Oui, je peux décale. On est d'accord sur les autres lanes. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Eh ben, je n'en suis pas sûr. Parce que moi, vous savez, je pense que la vie, c'est des rencontres. C'est fait de petits riens, de grands tout. C'est des choses comme ça. On n'avait pas forcément le... Vas-y, moi, je te tue, moi. Oh, merde! Ah, j'ai claqué l'ignite sur un creep. Ah non, c'était sur le Rise. Bon, bah, j'ai fait un petit peu, voilà. Ouais, j'ai joué mon Bolzi, j'ai perdu. Tant pis. T'es Ward. Mais Osef, t'es Ward. Lapin du gain. Alors, lapin du gain. Alors, soit tu es un lapin, donc c'est un animal lapin. Mais ça ne s'écrit pas L'A2PEIN. Voilà, pour ceux qui ne sont pas sur IRC, il y a une personne qui vient d'écrire ça comme ça. Donc, ce n'est pas lapin du gain. Lapin du gain. Là, peut-être un lapin qui a envie de, je sais pas, d'aller dans un casino et donc c'est le lapin du gain. Et je ne pense pas que ça soit ça. Je ne pense pas que c'est exactement ça que la personne voulait nous dire. Je pense que c'était le lapin du gain. Voilà. Nos pains, nos gains, exactement. C'est ça. Alors je regarde un petit peu si vous avez slacké sur les invitations. Non, 8 personnes qui viennent de me rajouter, parfait. Voilà, on est bientôt à 3100. On augmente tranquillement. Bientôt ça va être le monde qu'on va essayer de conquérir tous ensemble. J'ai des petits projets comme ça. Vous inquiétez pas. Base de domination du monde. De catch aussi. Mais bon, ça vous serez au courant dans très peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Tout est en marche. Les amis. Oui, je suis un dictateur. Tous les dictateurs avaient des coupes de cheveux bizarres. Eh oui, vous n'étiez pas au courant de ça, mais moi je vous le dis, les amis. Alors, on va passer par là et on va faire les kills. Je pense que ça peut être une bonne solution de faire les kills. Oh là là. Oh bah alors. Ah bon, je tue le support déjà. Comme ça, c'est fait. Oh là, j'ai pas réussi à le tuer. Le Lee Sin. Je vais mettre un petit peu la sauce là, j'ai l'impression. On va se retourner, j'ai l'impression. Oh là là, c'est chaud. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud encore une fois. Le Ezreal qui est revenu pour prendre le kill. Fallait pas faire ça. Oh, je pensais que je l'avais touché. Fuck. Oh là là, dommage. Ah! Entre l'âge qui est Minus et qui est Cortex. Et qui est Laurel et qui est Hardy.
J'ai un commun. J'ai Vlemon dit ça. Eh là là. Allez, boum. On va back. On va acheter son rabadon, les amis. Voilà, parfait. Lapin du gain de nouveau. Merde. Il devrait pas back. Si, il devrait back. Mais vous inquiétez pas. C'est juste pour le 1140 de goal. Voilà, pour la cove de Rabadon. Là, je vais envoyer du lourd. 16 minutes, Rabadon, 7-1-0. 108 CS, Gangplank est à 109, Gravy à 110. On se tient bien dans cette partie, nous les carrés. Warmog direct pour l'ami Gangplank, donc qui est le mur, hein, comme vous voyez. On my way. Oh, je vais avoir mon premier bœuf de ma jungle. Plutôt sympa, ça. Tu penses quoi des 8000 likes de Zerator? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est bien, c'est cool. Qu'est-ce que je dois répondre? Non, c'est normal. Alors, 1-2 que j'ai payé le show. Ah, non, c'est bon. Alors. Boum. Ah, le Drake a été fait par l'ami Graves. J'ai l'impression un petit peu tout seul d'ailleurs. Nous devrions avoir un Lee Sin qui va m'arriver dans les fesses, à mon avis. Hein, parce qu'il est en train de faire le bleu pour Ryze, Himo. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, il y a Lee Sin qui était juste derrière. On peut rester un petit peu là. On peut rester un petit peu là. Ah, j'étais en train de regarder hier ça, j'avais pas vu que Ezreal était arrivé. Voilà, ça met la sauce. Oh merde, merde! Ah, oh, je suis déçu, j'ai pris la sauce à un moment. Bon, on arrive à faire quelques kills, c'est déjà ça. Mais c'est un petit peu décevant. Tant pis. On continue sur les gros dégâts. On va acheter ça. Et on va finir la game, les amis, c'est tout. À quand un WarZ, toi plus Zerator? Peut-être bientôt, je ne sais pas. Je ne connais pas bien ce jeu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai l'impression que c'est du survival avec des zombies et tout. Donc c'est assez marrant à jouer, en tout cas. Et on le fera. Ne vous inquiétez pas, on le fera même plutôt soon, à mon avis. Pas direct, mais ouais, mais vous inquiétez pas. Voilà. Ça risque de bien se passer. Alors, on est reparti au middle. 18 minutes. Mais 1800 spec aussi, je crois. Et ça fait super plaisir. Là, je dois vous avouer que... excusez-moi, hein, je vais dire un truc un petit peu limite, je pense. Mais ma verge est assez dure. Voilà. Pour tout vous avouer. Excusez-moi, les enfants, 13h13. Je sais que là, c'est un petit peu limite. Alors, toi, tu prends ton bisou et toi, tu meurs. Voilà. Alors, mon ulti qui a repop. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh là là, mais le bisou qui n'a pas voulu. Non, c'est dur, ça. Ah, Ezreal qui est en bas. Ah, bon, très bien. Pas regarder la minimap. Fake du triplé. Ouais, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, les mecs. Je vais balancer un truc, je sais pas, peut-être qu'il aurait peut-être ricole ici. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Ah bah peut-être, hein. On va faire les intéressants, mais peut-être qu'il aurait ricole ici. Allez, 19 minutes 55, bientôt le surrender. Et deux games à 20 minutes, les amis. Et deux fois, je mets des grosses stats. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais la saison 3, ça va bien se passer. Et voilà, le 20 minutes, la base, les amis. Ouais, celui-là, il est propre. Celui-là, il est super propre. Harry, check, c'est fait. Comme ça va remonter un petit peu mon ratio, les amis. Mais ouais, 1438. On monte un petit peu. Peut-être qu'on va arriver à 1450 à cette fin de stream. Et on met tout le monde en amical. C'est la fin de la saison de bientôt. Allez, vous êtes tous des gentils, monsieur. Voilà, comme ça s'est bien passé. Et voilà. Allez, on va se faire une petite pause. 45 secondes, comme à chaque fois. 13h14. J'espère que ça se passe bien sur le stream. J'espère que vous allez bien. 10 minimum 2 pour l'IRC. Facebook, LegLol, LEGELOL, le groupe Shark, LegLol, LEGELOL, ce que vous voulez, vous allez n'importe où, vous tapez ça, c'est bon, c'est moi.
vous l'avez entendu, c'est bon, j'ai relancé une game, ok. Allez, on va repartir pour un petit sondage, et merci à vous en tout cas, Harry, 23 votes. Eh bien, vous m'avez permis de gagner une game, donc ça, c'est plutôt sympathique à vous. On relance un sondage très rapide, les amis, 50 secondes. Ah non, bon, on va en lancer 1 minute 10. Nous avions 314 votes tout à l'heure. Je veux plus de votes. Ah oui, vous êtes plus actuellement sur le stream, donc plus de votes. C'est normal. Le stream, c'est bon, c'est juste en dessous le sondage. Allez-y directement, juste en dessous du lecteur sur millennium.org. Allez voter, les amis, vous avez 1 minute encore, 60 secondes, 17 votes ont été collectés, 17 000 volts. Et évidemment, hein, nous sommes quand même un peu plus que 1700 sur le stream, vous imaginez bien. Vous imaginez bien. Nous sommes donc 1 milliard 700 millions. Voilà. Allez, 126 votes ont été collectés, 44 secondes encore une fois. Je vais regarder un petit coup à Facebook, puis après je ferai quelques questions. 3094 personnes encore, 6 personnes pour 3100, ça c'est nice. Ça c'est pas mal. Allez, 1746 specs, je regarde le QCM, 28 secondes, 244 votes, arrêtez de slacker, vous êtes beaucoup plus que tout à l'heure, allez-y, votre vote va changer la différence. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait une Karma qui était à 1 vote d'écart par rapport à la Harry, et vous qui auriez aimé voir une Karma au mid et au top, eh bien, n'avez pas pu l'avoir. La Sora Kami top aussi, là le Vladimir, le Xerath, le Ziggs, le Zilin. Enfin, plein de choix possibles. 377 votes. Merci à tous. Une seconde encore. 390 votes. Nice. Ça, c'est bon. Allez, je le publie directement et je vais découvrir en même temps que vous. Qu'est-ce que je vais jouer? Et donc, je vais jouer Karma mid. Voilà. Donc, je go mid. I go mid. Voilà, je go mid avec notre cher Karma. Donc merci à tous d'avoir choisi ce héros. Merci de vouloir me faire perdre de l'élo. On va voir comment ça va se passer. J'espère que je vais avoir un bon pic de mid en face pour avoir un maximum de chance. Un petit tour quand même sur le Hulking à propos de ma Karma. Parce que vous allez dire, ouais, il va perdre, etc. Ça va être le bordel. Alors, il faut savoir déjà que je joue des fois Karma au top, déjà, tout petit 1. Et que je joue Karma très, très, très rarement en support. Très, très rare. C'est genre super rare. On va regarder la Karma à combien on en est de pourcentage. Alors, on va regarder ça ensemble, les amis. Mon écran est là, on va peut-être mettre un petit peu plus gros pour que vous voyez mieux. Alors, premier champion Teemo, 100%, etc. Voilà, la base, j'ai joué une game, je l'ai gagné. C'est dans le Let's Coach by Twix, vous vous rappelez. Chaîne 3-1, 75%, Listar 73%. Alors, on avait dit quoi? On avait dit Karma. On avait dit Karma. Boum, allez. Ça, c'est bon. Alistar, Mordekaiser, Malphite, Karthus, Sivir. Bon, Sivir, 9 games, Karthus, 9 games. Bon, c'est pas énorme. Soraka. Soraka que je ne joue jamais en support. 16-10. Voilà. La Karma, elle est où? La Karma, elle est là. 14-13. 52%, les amis. Et la Harry, elle est là. 43%. 13-17. Vous voyez bien quand même que... Faire attention. On a une Annie à 4-5. Un Shogat à 4-5. Zilin 1-1. Vladimir 7-7. 47-46 pour Ziggs. Ouais, ça, c'est pas top. Hein. Je suis un petit peu déçu de ça, je dois vous avouer. Ma Hache qui était à 1-5. Eh bien, maintenant, elle est à 17. Donc, plutôt pas mal. Fiddlestick, 11-8, à la base, Amumu, Darius. Enfin, vous voyez des héros quand même qu'on pique assez souvent. Enfin, certaines choses. C'est sûr que Fiddlestick, pas terrible. Non, pas souvent. Je suis d'accord avec toi, avec vous. À niveau des carriadés, est-ce que Graves est un petit peu mieux? Peut-être que Graves... Ah non, regardez, 1-3 et Graves. J'ai pas encore bien compris comment le jouer en carriadé. Elise 0-3, 0-4 pour Veigar. Peut-être une première win bientôt avec Veigar, je ne sais pas encore pour ce que vous avez. On verra bien. Allez, je vous emmène sur le lobby, on attend un petit peu tout ça, Nunuvarus en bot lane. Je vais avoir une Orianna contre moi, comment on va se mettre? On va se faire, on def le mid, la résistance magique, des PV par niveau, pénétration magique, armure, une petite rune d'armure en jaune et de la puissance en quintessence. Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour tout vous avouer. AP allumette, ça me servira pas à grand chose étant donné que j'ai pas forcément de level 6. On va rester sur l'Ignite, on va rester sur le 21-09. Quoique, attendez, je suis en train de réfléchir. On pourrait très bien faire le mid aggro. Voilà, on pourrait très bien faire le mid aggro. J'ai pas l'affinité runique, donc ça c'est un petit peu dérangeant. Hop.
Voilà, le 9-12-9. Ça sera beaucoup mieux comme ça. J'ai enlevé un point de peau dure. Ah merde. Voilà. Allez, résistance magique, c'est bon. Ça a été sauvegardé. Il n'y aura pas de problème. Normalement, je devrais avoir ces maîtrises-là. 9-12-9 pour avoir vraiment un bon early game. Et je pense que ça va être vraiment le principal. Nous allons avoir un Mundo avec quand même Exhaust. Donc, il va falloir faire très attention. Karma dans les premiers niveaux. Il va falloir que je prenne vraiment l'ascendant contre mes adversaires. On va voir ça tout de suite, les amis. Juste après, petite page de publicité. A tout de suite. Apparemment, nous avons un sniper. Oui, oui, notre cher ami Sephiroth. Vous ne le connaissez peut-être pas, moi non plus, mais il jouera contre moi au mid Orianna. Un viewer contre moi, j'espère que ça sera fair. Pas de stream hack, etc. On verra bien. Allez, à dans 20 secondes, on est parti pour un karma contre Orianna. Troisième, non, il n'y aura pas de troisième, mais par contre, et boum, les amis, qu'est-ce qui se passe? Merci Saka, pour le petit bonnet. Allez, on va retourner dans la game directement. On va prendre les bots, les trois popos. Je suis un petit peu en retard, hein, comme vous voyez. Mes coéquipiers sont partis pour une fois qu'ils étaient partis avant moi. Sympa le chapeau. Il sera à gagner. Il sera gagné pour l'un des joueurs. On ne sait pas encore comment on va faire gagner, mais restez bien au courant. Ah là là, non, mais il est bien le chapeau. On est d'accord. Oh, moi j'aime bien. En plus, il est vraiment très agréable. Vraiment, enfin, je pensais pas. Je pensais que c'était vraiment de la mauvaise qualité ou un truc comme ça. Mais pas du tout. Il est vraiment très confortable. Il est doux et tout. Et puis, je le trouve quand même sympathique. Hein. Timo, faut pas déconner. Alors, on me demande si l'ai-je War 3. Yes. Yes. Donc, on me demande si j'étais le joueur de Warcraft 3. Donc, des gens qui me reconnaissent encore de temps en temps sur les. En game, ça m'est déjà arrivé 4-5 fois. Donc ça, c'est plutôt sympathique. À l'endroit aussi, c'est mieux. À l'endroit aussi, c'est mieux. Ouais, bah... T'as mal mis le chapeau. Comme ça. Comme ça, les amis. Non, mais c'est parce que je regarde pas la caméra. Comme ça, c'est bien. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit, là? Poule, ouais, j'arrive. Ouais, c'est bon, y'a pas de saut. Ah, on me dit « I love you so ». Oh, c'est mignon. Merci. Allez, on lui a mis un petit A, on lui a mis deux opto-attaques. Et on est parti contre Sephiroth avec Orianna. Pas facile, le match-up Karma-Orianna, vous allez voir. C'est plutôt compliqué, étant donné qu'elle a une très bonne range, Orianna. Et que je peux me faire slow assez facilement. Alors, je suis en 9-12-9, hein, donc un early plutôt sympathique pour moi. On va voir comment ça va se passer. Niveau des FPS, ça baisse un petit peu. J'ai rien de lancé. Non, j'ai rien de lancé. C'est plutôt bizarre. Allez, on est parti. Hop, peut-être un petit coup d'arras. Il a manqué son petit truc là. Voilà, un petit coup d'arras. C'est tranquille. Ah, il est level 2. Il va falloir que j'attende un tout petit peu. Allez, boum. Je claque ma petite popo. Ça sera bon. Ah, merde!
Ah, c'est bon, c'était le bug. Je suis revenu. Ah, et voilà, et maintenant je manque de l'astite. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui est parti sur le rouge, apparemment. Non, c'est bon. Voilà, c'était plutôt bizarre. Ça m'a un petit peu déconcentré, hein, pour tout vous avouer. Nous avons un Alistar en jungle là. Ouais, je viens de voir. On peut go, mais c'est. Vas-y, go. Allez, vas-y. Et voilà, qui c'est qui fait le premier sang, les amis? Qui c'est qui reprend le rouge? C'est Bibi. Allez, vas-y. C'est bon, ça. Et voilà, le petit flash, le bouclier. Ça fait du bien. Et voilà. J'ai reçu un télégramme. Ouais, ouais. C'est Benjamin qui m'a envoyé tout ça. Oh là là, j'ai un peu paniqué là. Je dois vous avouer sur mon bouclier. Alors, on me dit quoi? Ah non, mais je vais pas pouvoir la tuer, hein. Je pense pas. Hein. On a pété le mundo, mais. Ce sera pas assez. Oh là là, non, mais j'ai plus de mana, mon cher. J'ai zéro mana. Il a pas beaucoup de mana en face non plus, mais. Hop, on va attendre d'être level 4 pour avoir le heal level 2. Je pense que ça sera un petit peu mieux. Hop, hop, hop. Alors, les CS, on essaye de les faire tout de même, même si un petit peu le bordel. Hop, j'ai le rouge, 16 CS. Allez, voilà, et là, on va pouvoir claquer un petit heal. Ça pourrait faire plutôt plaisir. Voilà. Parce que j'ai plus de popo et tout, donc c'est un petit peu le bordel. Plus beaucoup de mana non plus. Ça me fait pas super plaisir tout ça. Hop, une petite auto-attaque. C'est en train de ping en bas. Oh le canon! Ah le canon, j'ai pas eu le canon. Allez, on va back. On va pouvoir revenir avec de l'item un petit peu. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais? Magie, réduction des délais, codex méphétique. Allez, c'est parti directement. On se pose pas de questions, on go direct sur Graal Impie d'Athènes. Et on démarre avec le codex. Alors j'avais dû démarrer peut-être avec le calice d'harmonie. Je viens de réfléchir maintenant. Mais je suis un tarde et donc je réfléchis pas assez. Mais bon, comme ça j'aurai un petit peu de réduction des délais en plus. J'aurai de la régène mana, donc du coup je pourrais me heal avec mon A. Voilà, on va dire que c'était bien. On va dire que c'était mieux. Étant donné que j'ai eu un kill et tout, autant prendre le maximum d'avance. 23 CS pour moi, 26 pour la Orianna en face. On est bientôt, je suis bientôt level 5, moi aussi. Moi aussi, il y a un S à moi, évidemment. Évidemment, les amis. Allez, on clean tout ça. Elle a vraiment une meilleure range, Orianna. On peut pas faire grand chose. Je peux pas vraiment la race. Hop. Ah, et là, je l'ai loupé en plus. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Skarner, qui est level 4 actuellement. Pas forcément super cool. Un petit peu en retard, j'ai l'impression, le Skarner dans cette game. Ah voilà, tu l'as pris, ton Arasoa, c'est tout. Ah, tu as voulu me claquer un petit truc là. Ah là, tu m'as claqué un truc. Voilà, là, moi je te claque un truc. Le canon maintenant. Ah, je peux la tuer, hein. Je peux la tuer si elle se rapproche un tout petit peu trop. Mais à mon avis, elle ne fera pas ça. Il faut faire attention. Je suis level 6 bientôt, mais ça ne changera rien, les amis. Vous imaginez bien. Allez, ça c'est fait. Skarner qui est en train de counter jungle. Et on reste au A actuellement. Allez, boum. Qu'est-ce qui se passe? On va peut-être rester un petit peu vers le bleu. Je pense que ça peut être une bonne solution. On peut rester là, à mon avis. On a l'air d'être correct. Mundo qui a commencé. Il a dû commencer au bleu. Non, mais non, j'ai pas eu le bleu. Donc il a commencé en counter jungle. Oh, plutôt spécial. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais c'était plutôt inhabituel à mon avis. Allez, on va go sur la veine. Go, Skarner là. Réfléchis pas. Ouais, voilà. Voilà. Ça c'est bon, la petite auto-attaque, j'ai pas utilisé mon ignite, c'est parfait. Et puis on arrive à faire le double kill. C'est bon, c'est nice. Alors, on va peut-être retourner au mid directement. Pas back. J'aurais pu acheter un petit calice d'harmonie, c'est vrai, pour commencer à faire mon grain impie. Mais ça sera pas comme ça. Le lèche qui carry avec sa karma, mais évidemment les amis. 40 CS, 44 pour Sephiroth.
alors qu'il n'a pas encore décal ou quoi. Il level 6 sur sa Orianna. Il va en faire un petit peu gaffe tout de même. Ouais. Allez, le last hit, celui-là, il est pour moi. Celui-là, il ne sera pas pour moi par contre. Voilà, je lui mets le petit Z histoire de lui faire un peu peur. C'était vraiment... histoire de... je vais aller faire les... les petits Vrace. Boum. Alors, normalement, ça va pas mettre trop de temps. Voilà, avec un mantra, ça met pas beaucoup de temps. À 100, c'est déjà un petit peu plus difficile. Hop, hop, hop. Ah ouais, je t'ai vu. Voilà, donc ça met des dégâts aux unités qui sont juste dans la zone du lien, tout simplement. Ouais, oui. Ah bah, il a pas go. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il n'y a pas de bleu. Très bien. Oula, ça m'a l'air un petit peu tendu là, ce qu'il nous fait. J'ai plus rien. Ah, mais go, mais toi t'es marrant toi. J'ai rien du tout, il y a une Orianna, elle va mettre son move speed et puis c'est fini, tout simplement. Lol, bah ouais. J'ai pas envie de mourir moi. Moi je suis pas un fou. Allez, ça c'est bon. Oh, Jace qui est en train de décaler, mais j'ai 0 de mana. Oh, on a claqué nos deux Ignite et c'est moi qui le prend. C'est parfait. C'est parfait. Allez, le petit bouclier qui est mis. More on mid. Ah bah ouais, ouais, voilà. Ah, comment. Je n'ai pas le CFL, les last hit quoi. Oh, Mundo qui est là maintenant. Allez, go, 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 go. Le petit heal, ça t'a fait du bien. L'exhaust qui a été enclenché, mais j'ai plus de mana moi maintenant. Allez, petite auto-attaque. On va repartir. Ouais, je vais peut-être avoir un petit truc à mettre, un petit bouclier, ça pourrait être intéressant. 100 points de mana, il me faut. Je n'ai pas encore assez. Allez, boum. Voilà, ce sera pour clean cette wave. Et puis pour repartir, 68 CS, 57 pour la Orianna. Je pense que je vais pouvoir avoir mon Graal exactement. Je vais avoir même 142 gold en plus. Une petite popo, ça pourrait être sympathique. Allez, une popo de chaque, comme ça il n'y aura pas de jalouse. Et on repart, hop, en mid. 84 de résistance magique, qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons un Calice d'Harmonie, un Doran et des bots level 1. Alors je suis bien dans cette game, merci les viewers encore une fois de m'avoir choisi un bon héros. 424 personnes sur RC, bonjour à tous! Bonjour, vous êtes en train de manger, ça se passe bien chez vous et tout, c'est cool! J'aime bien quand vous êtes comme ça, j'aime bien quand vous êtes beaucoup. Tout ça. Ok, donc ça je viens de fail. C'est pas grave. Alors, SS, au fait. Au fait. Parce que ça, faut le lire tout de même. Parce que sinon, après, les gens. Ah, SS, machin et tout. You're a noob. Ah, le bleu qui a été pris pour Orianna. Ça fait chier. Vous pouvez l'imaginer. Mundo doit être dans les bushs en bas. Je l'ai vu venir un moment. Peut-être en train de faire les Vrace. Je vais y aller avec Skarner là. Ah, voilà, il est en train de faire les Vrace. Ouh, bah, c'est bon, il a clean tout ça. Go. Go, 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 go. Je suis là s'il y a un souci. Il y a Orianna. Go, 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 go. Ne te pose pas. Non, il y a Orianna qui est parti. Allez, on va rego sur la Vayne. Ça va être bien. Ça va être très, très bien. Mais go, qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. J'ai une karma avec Graal Impie, quoi. C'est bon, quoi. Osef. Oh là là. Oh le bordel. Allez. Oh là, Orianna qui va nous mettre un gros ulti à mon avis. Oh là là, elle a fait du shit hein. Ah oui, ça c'est pas mal du tout. Et voilà, c'est parfait. Nice Varus. Il a bien senti son ulti là sur ce coup là. Alors, le Drake, ça me paraît être une bonne idée. On va enlever cette petite ward. Et on va go directement sur le dragon. Alors, qui c'est qui est en train de tanker là? C'est lui, hein? Ah non, c'était l'autre. Bon, bah tant pis. Bah tant pis, hein, tant pis. Ah mais non, mais te barre pas comme ça. Ne fais pas ça. Alors là, c'est Carmel qui arrive à le prendre en plus. C'est un petit peu la honte pour le jungler avec son smite. À 13h35, les amis, le stream s'arrête à 14h. Après, vous retrouverez Twix, la Twixzilla, de 14h à 16h, pour du ladder
pro, on peut le dire, hein, vu son elo. Ça sera pas de la karma. Là, ça sera pas de la karma. Par contre, ça sera du gros niveau. Et ça, ça on est tous contents, je pense. Allez, je re-up le bouclier encore une fois. 5 sur bouclier, 4 sur avac céleste sur le A et un petit point dans le Z. Histoire de mettre un petit peu plus de move speed. C'est combien? C'est 12%, je crois. À 10%. Pas mal, 10%. C'est déjà ça. Allez, on va... Ouais, j'avais vu le Alistar quelque part, là. J'étais là. Tu ne veux pas faire ça, quoi. Tu ne vas pas faire ça. Tu n'es pas... Tu es ton lobe méchant, quoi. Allez, bon, je vais te mettre le boubou. Ouf, c'était chaud. Une petite auto-attaque, et là, je suis à 39% de CD. Hop. Allez, on va push comme un tarde. Ah non, vraiment comme un tarde, hein, là. Ah bah non, on va pas push en fait. J'ai envie de se la mettre un petit peu. Voilà, donc je prends pas beaucoup de dégâts, hein, comme vous avez vu. J'ai pas mes deux mantras par contre à être doublé pour Yorick. Ça c'est con ça, parce que moi le Yorick je vais lui faire zéro dégâts à un moment. Voilà, donc ça c'est bon, c'est la mort. C'est la mort, les amis. Hop. Oula, Mundo. Oula, l'ami Mundo. Allez, vas-y, j'essaye de te slow. Tu me slow aussi. On se met pas très très bien. Ah bah voilà, tu fais moins ton rigolo maintenant. Hein? Eh bah voilà, là tu fais vraiment moins ton rigolo. Il a moins fait son rigolo, Mundo. C'est tout. Le bouclier sur un sbire, ça marche aussi. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée des mecs. Je suis d'accord avec eux. Alors, on va faire un petit truc comme ça. Ça m'a l'air d'être intéressant. Ça, c'est un bon item, apparemment. Ça, je prends. Allez, petite popo pour pas qu'elle soit jalouse de l'autre. On est parti. Hop. Allez, combien vous êtes pour me regarder en train de carrer avec Karma en fait? Parce que là je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais 5-0-2, ça doit être le Elo qui est trop bas. Le Elo est trop bas, les amis, c'est tout. Le Elo est trop bas pour moi, il va falloir que j'augmente. À 2K4, 2K5, au moins, parce que sinon ça a plus d'intérêt. C'est tout bidon après, hein. Ah bah oui, évidemment. Ah! Ouais, j'ai réussi à te toucher. Un petit peu de loin, mais c'est déjà ça. Allez, 11-2. On va peut-être encore faire un 20 minutes. Ah, si on fait un 20 minutes, ça c'est chiant. Ah, bah si on fait un 20 minutes, après, il va falloir refaire une game. Elle va peut-être durer 5 heures. Et j'ai toujours 39% de CDR. Bientôt 40. Pas de beaucoup, mais bientôt. Et nous avons peut-être un petit truc à faire là sur le Alistar. Non, je pense. Oh, allez, vas-y. On va continuer de push. Oh, Mundo. Oh, Mundo. Ah bah oui, bah là, c'est un peu chiant parce que c'est plutôt fort, hein, au corps à corps, Karma. Ah merde. Attendez, il y a l'Istar là qui arrive aussi. Ah oui, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, bon... qu'est-ce qu'on fait? Bon, ah, il y a Yorick maintenant. Ok, donc... Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, on le tue, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on ne le tuera pas. J'ai pris la sauce quand même. Ah bah alors, toi t'es là aussi toi? Ah, ça n'a pas touché. Ah, la Vayne qui est en train de faire les petits wolves. On a la Vayne qui est level 9. Ah, on peut la dive dans la Vayne. Assez facilement, Imo. On va peut-être pas le faire. On va peut-être attendre un petit peu. Oui, vas-y. Go if you want. La Orianna. Ah non, pas go. On va pas go alors. Voilà, j'ai pris la fléchette là. Celle-là va me faire mal. Celle-là m'a fait mal. Ah la vache quoi. Ah je l'avais dit hein. Tant pis. Ah tant pis pour moi. Trop greedy. Lapin du gain. C'est comme ça qu'on dit. Alors, je vais faire une petite question en attendant de raise. Je vais prendre au hasard Sushi underscore.
Quel est le perso le plus simple pour commencer LOL, s'il te plaît? Je pense que c'est le plus simple et en plus un peu marrant, c'est H. Voilà, H, puisque tu as un sort principal qui est le Z, qui met en fait que tu envoies plusieurs flèches sur les adversaires, une salve de flèches qui font des dégâts et qui ralentissent la cible. Ton premier sort, c'est en fait un ralentissement à chaque fois sur tes auto-attaques. Donc à chaque fois que tu attaques une personne, tu la ralentis. Plus tu augmentes ce sort, plus ça ralentit l'ennemi, évidemment. La salve, donc ton deuxième sort, eh bien, restera comme ça, mais augmentera tes dégâts et je crois ta réduction de délai sur ce sort-là. Et puis après, le troisième sort, en fait, te permet de gagner un petit peu plus d'argent à chaque creep que tu tues. Et en plus, si tu actives ce sort, eh bien, tu peux lancer une chouette sur une direction assez longue, d'ailleurs. Et cette portée est d'ailleurs augmentée à chaque point, à chaque nouveau point que tu mets dans ce sort. Et voilà. Et ton ultime, en fait, c'est une grosse flèche qui peut traverser toute la map et il faut que tu vises un adversaire, en fait. Donc, c'est une flèche que tu vas mettre, par exemple, tout droit et avaler toute droite. C'est pas un missile auto-guidé, on est d'accord. Et plus tu lances de loin la flèche, plus la cible sera étourdie. Bon, après, bien sûr, il y a un cap. Hein. Si tu lances de l'autre côté de la map et que tu touches, ça va pas stun pendant une minute. Voilà. Franchement, on est tous d'accord. Alors, je vais faire le bleu. Donc, H-A-S-H. Est-ce qu'il y a un E? Je crois qu'il y a un E. Puis après, sinon, tu as des héros comme Annie, qui sont pas forcément très compliqués. Si tu veux plutôt un magicien au lieu d'une personne à dégâts physiques, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Alors, le Yorick. Le Yorick, moi, je lui ferai pas beaucoup de dégâts, à mon avis. Il est parti sur quoi, à mon avis, résistance magique. Voilà, je sais pas si ça serait une bonne solution de faire ça. Allez, vas-y. Allez, moi, je go sur toi. T'as le rouge et bah moi j'ai le bleu. Oh là par contre, c'est la merde. Oh là par contre, là je vais ramasser du kill. Là je peux ramasser du kill. Je vais peut-être me faire tuer aussi. Mais ça peut bien se passer. Ouais, ça peut aussi très mal se passer. Hein. Je sais pas comment. Mais c'est peut-être la merde là. Il y avait le Karyadé. Hein. Là, il est pas parti. Si, il est parti. Il dit de la merde. Bon bah tant pis. Alors on va clean tout ça. On va push. La bot lane, attention, 13-5, hein, 154 CS pour moi, certes, mais il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et alors, il y en a au mid, donc ça c'est cool. J'ai pas beaucoup non plus de CD. Oui, bah, fais ça, ok. Oh merde, j'ai pas réussi à avoir Mundo. Un petit peu dérangeant. Hop là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est chiant, ouais, j'aurais pas dû rester. J'aurais tué le back après le kill de Alistar. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Coiffe de Rabadon, j'hésite à faire un petit Zonia. Ouais, un petit Zonia, il y a pas mal de dégâts physiques. À part la Orianna, il y a pas grand chose. La Vayne peut être un petit peu dérangeante en plus. Je pense que je vais partir sur ça. Je vais partir sur un Zonia, puis après on verra. Allez, 6-2-2, j'étais à 5-0. Il faut que je me remette un petit peu dans la game, je pense. La puissance du Zonia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop Karma, Eino sur ERC vient de dire un petit truc. Je vais le lire et puis je vais vous dire en fait si c'est bon ou pas. Si je suis d'accord avec tout ça. Alors, le A attaque en cône. Avec, voilà, le A attaque en cône. Déjà, ça c'est pas mal. Regardez, le A, c'est ça. Voilà, donc ce cône-ci, ça vous permet de faire donc des dégâts physiques aux adversaires, mais si vous activez le mantra, donc votre quatrième compétence, que vous avez bah, toutes les 16 secondes pour moi, parce que j'ai une réduction de cooldown de 19%, eh bien, vous pouvez soigner les alliés dans ce cône-là. Hop. Oh, merde. Alors là, par contre, là, je vais faire le kill, normalement. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, boum. Allez, et boum, c'est le doublé. Voilà, c'est parfait. Allez, j'ai pas activé le Zonia. Tout s'est bien déroulé. Ah bah, c'est fort, hein. Quand on est un peu field, oui, tous les héros sont forts au bout d'un moment, hein. Ça fait mal, cette connerie de perso. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Et je suis en 9-12-9. Parce que là, maintenant, du coup, là, j'ai pas les points, en fait, qui sont bien, là, pour l'arbre offensif ou quoi. Mais, du coup, j'étais bien en early game.
Donc il faut savoir aussi ce qu'on veut un petit peu. Allez, je vais essayer de faire ça. Peut-être qu'il va pas me laisser le faire. Hop. Oh là là, non, il a pas envie de me laisser le faire. Et je vais remourir encore une fois. Oh non. Ah si, si, si. J'avais le Zonia, il y avait Nunu qui était en train d'arriver. C'est vrai, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça, j'ai oublié le Zonia. Tout d'un coup, je l'ai oublié. Allez, une grosse baguette encore une fois. Ça monte à 423 d'AP. Oui, j'ai oublié. Streamac, là, rien à... Non, je pense pas, parce qu'il avait mis une petite boule ici. Il avait la vision à peu près. Et puis, c'était assez logique que j'allais faire le bleu, quoi. C'est juste que, bon, j'étais greedy, encore une fois. Alors, le Skarner, botte de mobilité et Chourélien. Oui, certes, il va falloir changer un moment. Ouh, l'ulti de Varus qui est parti dans les murs. Oh, ça c'est dérangeant, quand même. Jace, il en est où, Jace? Au niveau de son stuff, il a pas grand-chose. Jace, il doit pas être très bien dans sa game. 1-1-1, 119 CS. Yorick à 2-1-0, 173 CS. Donc, il va falloir faire très attention. Vayne, Yorick, en face, on n'a pas gagné la game. On l'a même plutôt... Alors, j'ai essayé de leur dire un petit peu de se remettre bien dans la partie. Attention, le Yorick là qui peut chase, il aurait pu peut-être y aller à fond. Ah, non, là, je pourrais rien faire pour lui. Il faudrait que j'aille aussi warder un petit peu tout ça. Alors là, ça va pas faire le Drake, ça va pas faire ce genre de choses. Hop, on est parti. Ah non, ça va juste vouloir push à 4. Je push la mid lane. Voilà, prendre une tower pour une. Il n'y aura pas forcément. Il n'y aura pas forcément de soucis. Voilà, regardez ça. Là, c'est bon. Ils prennent la première tourelle du bot. Et ben moi, je prends la deuxième tourelle du mid. C'est worth it. Alors, je comprends pas pourquoi il n'est pas joué. Et bien, en fait, il lui manque un petit truc. Il lui manque un petit stun à la karma. Il lui manque un petit truc qui pourrait être vraiment sympathique. Et elle n'a pas ça. Oh la merde. Il va falloir qu'il use beaucoup de mana s'il veut vraiment me suivre. Allez, je mets mon gros speed, please. I don't want to die. Et je vais mourir. Oh là, c'était le chase de 5000 km là. Et j'avais encore une fois mon Zonia, mais je pense que ça pouvait rien faire. Varus qui arrivait à tuer la Vayne, donc ça c'est plutôt pas mal en bot lane. Et j'ai bientôt mon Rabadon. Alors, vous êtes bientôt 2000 sur le stream. Hey, Karma 9-4 là, va falloir vraiment remettre du lourd, hein, remettre du très très lourd. Et je pense que vous aimez Karma, donc si vous aimez Karma, vous m'aimez bien. Et si vous m'aimez bien, vous allez sur Facebook, c'est tout. La Vayne te ghost salement. Ah bon? Ah bon? Bon bah tant pis alors. Blobby Shinobi. Ah, alors, what the fuck you doing alone in the jungle? Alors niveau des towers, on est quand même pas trop mal. On faudrait warder un petit peu le Nashor ou quoi. Je leur ai pingé la mid lane, hein, pour tout vous avouer. C'est vraiment juste pour histoire de se regrouper. Je voudrais bien voir mon Rabadon avant de faire aussi un gros fight. J'ai Zonia, j'ai bientôt le Rabat qui devrait arriver plutôt soon. Allez, boum. Ça, c'est plutôt pas trop mal ce qui est en train de se passer. Je suis 19% en termes de réduction des délais. Et pourquoi je suis aussi à fond sur la réduction des délais avec Karma? C'est à cause du mantra. Et ouais, à cause du mantra, plus vous avez de réduction des cooldowns, mieux c'est avec Karma si vous êtes à 40%. En fait, il faut rush le 40% généralement. Là, je suis à 19, donc j'ai pas fait en fait ce que je voulais. Hein, pour vous avouer. Oh là, pas mal joué. Pas mal joué du tout. Allez, j'ai tout claqué de mes mantras. Ouais, vous voyez, là, j'ai plus rien du coup. 800 HP, ça devrait pouvoir encore le faire. Oh là 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 là. Allez, on peut rego. Oui, c'est bien. Oh oui, très très nice. Et puis après, c'est moi qui fais le kill. Triplé pour Varus. C'est parfait. Gros sustain, hein. Ah ouais, gros sustain. Nashor.
Ah là là, pourquoi ils partent tous n'importe où? Nous avons le jungler, nous avons une karma. Allez, go, 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 go. Go, voilà. Allez, on va mettre le petit boubou, là pour commencer. Vas-y, tape. Voilà, moi je vous heal, pas de soucis. Je vais vous mettre des mantras dans la tête. Alors, aucun problème. Ouais, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, tu déconnes, quoi. Tu déconnes. Oh là là, ils ont réussi à avoir le Nashor. Oh là 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 là. Nunu et Skarner, le jungler. Et on n'arrive pas à voir le baron. Ça, c'est quand même... C'est quand même fou. C'est fou. Allez, boum, on va peut-être aller vers là. Oh là, c'est la merde. On me sauve pas, d'accord. Ok. Ok. Tant pis. L'image est meilleure qu'avant. Oui, la webcam, on n'a pas encore la cam du studio, elle n'est pas encore revenue, mais... Ça devrait arriver d'ici très très peu. On a racheté une nouvelle webcam. Et la qualité du stream, normalement, non, ça c'est des Daymotion, ça par contre. Non, on peut pas y faire grand chose. Enfin, c'est pas nous qui agissons sur ça. Bon, 19, réduction des délais. Le Skarner, donc a fait le bleu tout à l'heure, je crois. Hein, si je me dis pas de bêtises. Faudrait qu'il change ses potes quand même. Hein. Un petit peu de résistance magique, ça serait bien. Morello pour les 20% de réduc. Je pensais à Frozen Earth plutôt. Eh ouais. Je pensais plutôt à Frozen Earth. Quoique, il y a quand même un Mundo, donc Morello, ça serait pas mal. Vayne avec son bordel. Et que ça soit de 200, ça serait sympathique aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh là 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 là. Allez, les mecs. Ouais, go. Oh, ça c'est. La Miss Carner. Ah ouais, par contre, le Alistar va mourir. Ah non, le Alistar ne mourra pas. Et moi... Ouf, c'est chaud. Ouf, c'est chaud, mais bon, ça passe. Ça passe, c'était un petit peu tendu, hein, quand même. Allez, Varus. Ah, j'ai le Zhonya anyway, donc... Ça peut bien se passer. Ouh, Varus qui est à go sur la Orianna, ça c'était bien joué. Très bien joué. Allez, elle va vouloir peut-être retourner sur moi. J'ai tout, j'ai mon shield. Allez, bon. Là, c'était con ce qu'elle a fait. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et on va go, là, go, mid, comme des tards. Allez, le Yorick, peut-être. Non, non, le Yorick, zéro. Et je suis level 18. Ah ah! Allez, vas-y, Skarner, tu peux le faire. Tu peux grab n'importe qui. Et voilà, c'est parfait. Ça fait un petit kill de plus. On va prendre la tower. Wouhouhouhou! Un petit heal. Voilà, histoire de mettre bien. Jace qui prend le kill. Bah, c'est bon. La game est gagnée, les amis. Karma, ça envoie du lourd. C'est tout. C'est tout. 227 CS. Ah, je suis pas top sur le niveau des CS, 31 minutes. Bon, c'est déjà mieux que certaines games. Donc on va go sur un Frozen Earth. Hein. Voilà. Pour avoir un peu plus de d'armure et un peu plus de tout, quoi, hein, tout simplement. Et puis après, on va avoir 20%. 20% de CD. Ça, c'est bien, ça. Linceul de glace, je peux l'acheter en instant buy, c'est cool. 34% de CDR, c'est cool. T'as déjà de l'armure. Ouais, mais mort armure. Mort armure. J'ai déjà assez d'AP, je pense. Et surtout que le passif de Karma, en fait, moins vous avez de PV, plus vous avez de puissance. Et ça va jusqu'à 130 de puissance. Donc 130 en plus de puissance, plus 30%, donc ça fait 169 de puissance en plus grâce au Rabadon.
Et donc je peux monter à 600, 628. Vous voyez bien que c'est plutôt sympathique. Alors, donc toi t'es morte. Voilà. Ça c'est fait. Wow, Vayne. Ah bah oui, bah, c'est dommage. Hein. Le seul problème de Karma, c'est qu'elle est toute moche. Ah, elle a un skin indien qui est pas trop mal. Alors il est pas super joli, je suis d'accord. Mais il est correct. Hop, ça c'est fait. 130, c'est quand t'es mort. C'est quand t'es à 10% PV. Si je dis pas de bêtises. Alors après, je peux peut-être dire des bêtises. Mais je ne crois pas que je dis des bêtises. Vous dites ça parce qu'elle est noire? Alors, est-ce qu'elle est noire? Elle est pas noire. Hein. Elle est pas du tout noire. Elle est métisse. Et puis, elle est indienne, Karma, de base. Donc, va en Inde, il n'y a pas de noir. Hein. Non, non, non. C'est des Indiens. Tout simplement. Par contre, elle ressemble un peu à Cruella. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, ça, c'est vrai. Hop. Hop, 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 hop. Allez, on est parti. Ah, le petit speed. Là, ça va être un peu le bordel. Maybe. Mais ça va bien se passer tout de même. Eh! Ah, c'est marrant, c'est tout de même. Moi, je continue. Ouais, on continue. Voilà, donc c'est moi qui prends le kill en plus, donc c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui prend la sauce là? Il fallait un petit heal là. Il te fallait un petit heal, je le savais. Ouh, il n'y avait pas d'ulti de Skarner. C'est pas passé loin. Bon, on a fait des kills encore une fois. Faudrait peut-être prendre les tourelles maintenant. Je pense que ça devrait. Ouais, plutôt pas mal. Karma ne devrait pas pouvoir taper Alistar. Pas mal, Tartine. J'aime bien. J'aime bien la blague. Hop. Ah oh bah oui, là, il fonce dedans. Mais là, mon petit pote, ça sera pas assez. Là. Allez, je refais un petit kill au passage. Oh, Varus qui kill. Oh, et moi. Oh, mais je suis mort. Oh, j'avais le Zonia. Oh, je suis nul. Oh, merde. Merde, 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 merde. Bon, bah tant pis. Bon, allez, on finit avec gros stuff. Nice, 13h58. On finit sur une Karma qui a carry la game. Et donc, ça fait super plaisir, les amis. Ouais. Ça fait vraiment très, très plaisir. Le 9-12-9, donc, qui a bien marché. Avec les 9 points en utilitaire, les 12 en défensif avec indomptable et peau dure, hein, la réduction des dégâts venant des sbires d'adverses. Et puis après les 9 points en offensif pour avoir plus 10% de pénétration magique, 4% de délai de CDR et puis l'ignite amélioré. Parfait. Allez, on remet des amicales à tout le monde. Ah oui, on est Karma. Donc voilà, si on fait des choses bien, il va nous arriver des choses bien. Allez, un petit amical aussi. Pour Sephiroth, et on va se dire, les amis, à dans très très peu de temps, puisque ce soir je serai encore là sur la Medium TV. J'ai mon chapeau Timo. Attendez, j'ai mon chapeau Timo, regardez, il est là, il est comme ça. Pou, 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 pou. On va se retrouver donc ce soir, on va y avoir du Halo 4 avec Twix et Shazzy, le Funcraft de 20h à 22h. Normalement, si la programmation ne change pas, et de minuit à 2h du matin, normalement, on devrait avoir la soirée qui fait peur. Donc restez avec nous. Juste après moi, c'est Twix qui va devoir bientôt reprendre. Ouais, c'est Twix. Pour du gros ladder, on se dit rendez-vous dans quelques secondes. Pour voir, je vais vous donner quelques liens, etc. A tout de suite les amis, restez avec nous sur Medium TV.
mon chapeau de Timo, merci Saka, il sera à gagner ce chapeau de Timo, donc restez bien au courant un petit peu de l'actualité, que ce soit sur Facebook Millennium Espace TV Espace 2, donc le Facebook Millennium TV 2, mon Facebook aussi, LegLol, L-E-G-E-L-O-L, tout de suite c'est Twixila qui arrive, Twix les amis, T-W-E-K-Z-I-L-A, si vous voulez le retrouver sur Facebook, il va vous envoyer du très très lourd, je suis à 3-0, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, je regarderai son stream et je me moquerai s'il perd, oui oui, je me moquerai, allez. Restez avec nous sur Millennium TV 2. Tout de suite, c'est Twix. Bye bye.